pour votre patience, pour cette petite attente, ce problème technique. Mais bon, celle de dimanche matin, le café n'est pas encore tout à fait assimilé. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Donc là, on est parti pour continuer la partie de Crusader Kings 2. Une partie donc mélangeant l'histoire médiévale, vu que le jeu est recréer un peu l'univers médiéval de l'Europe et jusqu'en Inde, en Afrique du Nord, et aussi le contexte actuel, vu que notre objectif va être de renverser en interducal l'empereur Emmanuel Ier, Emmanuel Ier le Pieux, je pense, qu'il avait été renommé par le jeu, et ses successeurs, parce que je vois, depuis le temps qu'on a commencé à jouer, il est déjà. Il est déjà décédé, malheureusement, dans le jeu. Donc, ce sont ses successeurs que nous allons essayer de renverser. Alors, petit point technique, Alto, est-ce que tu sais me dire où ça en est? Eh ben écoute, pour l'instant on a Stefano qui est dans la partie. On attend toi et Fanny. Alors sachant qu'aujourd'hui malheureusement Artefan ne pourra pas être parmi nous parce qu'il avait autre chose à faire ou qu'il est malade. Il nous a pas donné de mot d'excuse de ses parents, c'est inadmissible. Fanny sera avec nous pour commenter la partie et est malade aussi. Et là actuellement voilà, on a la connexion de Karl. Ouais, donc. Alors pour la partie effectivement, on a malheureusement perdu Emmanuel. Avant qu'on arrive à venir le chercher, hein, c'est dire si la police le défend. Cependant, c'est toujours sa dynastie qui est sur le trône, bien évidemment, parce que sinon ça fait court pour le projet. Sur la partie précédente, on avait atteint le goal pour créer le personnage de Laurent Berger, et c'est donc chose faite avec la maison ZFDT du Poitou, voilà, qui sera fidèle au gouvernement et un ennemi féroce. Et alors, si vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas encore rejoints en vocal, c'est parce qu'ils attendent les droits pour rejoindre le salon live. Du coup, si jamais il y a des gens de l'animation ou des droits d'administration qui écoutent le live actuellement, coucou, si vous pouvez juste passer 30 secondes et leur donner les droits, ce serait à la fois pratique. Hyper chantilly. Voilà, très très chantilly, et c'est bien la chantillesse. Donc, pour faire un petit point également sur là où on était dans le jeu, donc c'est un mode qui fait commencer le jeu en 2017. Nous incarnons les trois joueurs des ducs, donc des ducs et duchesses, des différents vassaux d'Emmanuel et de sa dynastie, avec comme but, donc comme je l'ai dit, de le renverser. Cependant, c'est un jeu qui est, on va pas se mentir, assez lent à se mettre en place. Donc là, pour l'instant, voilà, l'interducal, c'est un peu comme la réalité, on a une phase où on discute, on se pose, on essaye d'établir des plans, mais on n'est pas non plus encore très loin dans la révolution, hein, soit être plutôt honnête. Ah, Stéphane nous a rejoint. Ah, bonjour Stefano. Alors pour le compte Delvoye, C'est bon, on j'ai arrive. pensé à le créer. Le problème étant que si je devais le créer avec tous ces mandats, il n'y aurait plus de place dans l'Empire. Ah, et je crois que j'ai entendu Fanny aussi. Oui, Fanny nous a rejoint également. Oui, c'est bon, on Oui! a réussi. C'est bon, on a tout le monde. Alors, tout le monde se met sur sa position. Donc, pour rappel, hein, on a les ducs Séraphin de la CGT, Toto du Sud et Laurent de Lutte Ouvrière, qui sont des personnages joueurs, et on aura Fanny en observatrice. Oui, moi je Et serai ben, là pour on donner peut des notes lancer. historiques on a dit quoi? Tous les 20 euros? Oui, Alors c'est voilà, ça. pour les Gaules. Pour les Gaules, on a tous les 20 euros, Je vais t'afficher. une petite anecdote. Comptée par les soins de Fanny Cohen-Moreau de Passion C'est à toi, Médiéviste. j'ai préparé. On dirait nous au deuxième épisode de Passion Médiéviste. sachant qu'on a les Gaules précédents qui sont toujours en cours, il me semble.
Alors les goals, donc on avait atteint pour rappel certains goals, notamment un qui a rajouté un de nos objectifs que vous pouvez voir à peu près ici, vaguement, hein, j'essaie d'imaginer où est ma souris, qui est de libérer la Bretagne indépendante. Donc ça vient s'ajouter à nos objectifs de base qui étaient évidemment de résister à l'autoritarisme de notre empereur, de créer une nouvelle commune de Paris et de donner tout le pouvoir au Soviet, non pardon, au conseil des ducs. Classique, mais Nous toujours efficace. avons un donc l'objectif de libérer la Bretagne de la rendre indépendante. Donc vous pouvez voir ici le royaume de Bretagne qui devrait être indépendant. D'ailleurs Nantes est bien en Bretagne. Et donc nous allons devoir essayer de rendre ce royaume indépendant. Et nous allons rajouter un autre objectif, si jamais on atteint les 365 euros pendant les 2 heures de stream. Qui sera de lancer une invasion de l'Angleterre. Et donc nous avons mis cet objectif à 365 parce que c'est le nombre de sièges des conservateurs aux dernières élections. Voilà, donc ça c'était pour le petit moment dépression pour tout le monde. Voilà, vous pouvez pleurer un petit peu. Bon, sinon je pense que est-ce que tout le monde est dans la partie à rejoindre? On peut peut-être faire un Ah ouais, point là. sur où on en est. Donc je vais Pour ceux et celles qui n'étaient pas là au On se l'a live passé en précédent, map mode duché oui, pour. je viens de le faire. Donc là, on est donc sur une carte qui, je vous l'ai dit, s'étend jusqu'à l'Inde, frontière de la Chine, la Mongolie. Bon, c'est quand même peu de chance qu'on arrive jusque-là. Et on a un. Donc on est vassal de l'Empire de France, qui est ici. Et vous pouvez voir là la carte des différents vassaux, avec notamment Sud, qu'on voit bien, hein. La CGT dans le Nord. Lutte ouvrière qui s'est un petit peu agrandi, qui a déjà été convaincre les gens de Sens de rejoindre la Révolution et d'en faire un vassal. Bon, les mauvaises langues diront qu'il y a usage de la force, mais rien n'est prouvé. C'est l'IGPN qui a fait l'enquête. Et il y a également donc le regretté duc Sbeulisto de Normandie, qui était Artéphane, qui a commencé à jouer avec nous la fois passée, puis qui avait dû nous quitter pour problème technique. Mais sa dynastie est toujours là et on essayera toujours, donc hein, le merle de Lucolib essayera sûrement de rejoindre la révolution. Je sais pas si vous voulez faire un petit point sur où vous en êtes, ou votre plan machiavélique pour ces 2 prochaines heures. Moi, du côté de la CGT, on a décidé de massifier. Évidemment. Après s'être rendu compte de l'échec des négociations avec le gouvernement lorsqu'on a essayé d'entrer au Conseil. Donc, on va massifier plutôt vers le nord, direction Boulogne et Artois, parce que c'est des régions, comme vous le savez, qui subissent la désinstru... Un dé... Ah! Je vais recommencer. La déinstruali... Bon, je vais l'abandonner. Il n'y a plus d'usine. Il n'y a plus d'usine là-bas, donc je pense que c'est un bon endroit pour amener la lutte, sachant que l'Empire est en guerre contre le terrible duché de Belgique, qui est une menace que tout le monde connaît. C'est vrai, duché de Belgique qui s'est d'ailleurs déjà fait à moitié envahir par l'Allemagne, hein. Donc comme ça va. Et puis après, on continuera à essayer d'étendre les alliances, sachant que nous avons, à la partie précédente, conclu une alliance entre la CGT et le syndicat Sud. Une alliance que la CGT espère fructueuse. Et du coup, Stéphano, est-ce que tu veux nous parler de la situation du Sud dans le jeu, hein? On n'a pas Stéphano. Ah! Est-ce qu'il a le droit de parler seulement? Est-ce qu'il n'a pas été interdit de communication? De la censure, Est-ce que proposer. vous m'entendez? Ah Là, oui. on t'entend. Ouais, Voilà. c'était un peu bourrin. J'avais oublié de passer de appuyer sur parler à détection de la voix Ah. dans Discord. C'est Ah mais c'est comme disons ça, chaud. c'est ça qu'il faut expliquer aux députés LREM. En fait, c'est ça. Ils ont oublié d'enlever le push-to-talk à l'Assemblée nationale. Juste lancer la partie en 1, histoire que les gens ne regardent pas un écran Ouais, fixe. je t'en prie. tout à fait. Donc du coup, pour la situation, du coup, bonjour à tout le monde, puisque je vous ai salué, mais vous ne m'avez pas entendu. Du coup, c'est assez réaliste avec notre famille politique. Je tiens déjà à rappeler que la CGT a tenté de faire une espèce d'OPA sur mon syndicat en faisant un mariage matrilinéaire entre la duchesse, du coup, la duchesse autogestion GT
Moi, donc le duc Toto, j'étais de Sud. Donc Et voilà, on ça a verra ce que marché. ça, bah, ça Ça a a marché. marché, Moi, j'ai pas hein. fait gaffe. Voilà, voyez les alliances intersyndicales, comment ça se passe. Non, On non, c'est... regarde Alors, même non, presque ça, pour les je prépare camarades. la fusion, c'est tout. Voilà, la fusion. Alors, en ce qui concerne Sud, moi, j'ai fait un certain nombre d'alliances dans ma zone avec l'Aquitaine, avec la Gascogne, etc. Et je suis en train de tenter des revendications, parce que nous, chez Sud, on aime bien revendiquer. Donc, je suis en train de tenter des revendications pour m'étendre également dans ma zone, dans le sud. Voilà, le but, c'est d'être hégémonique un peu sur toute tout le sud de la Loire, pour pouvoir ensuite libérer nos camarades, quels qu'ils soient. Je pense que la stratégie qu'on va adopter va être une stratégie basée sur les factions. D'ailleurs, je pense qu'il faudra pas qu'on tarde à. C'est moi qui. Non, c'est Karl qui dirige la première. Ah, Ah, attendez. ah, nous avons un gros Alors. problème. Voilà. Pardon, priorité au direct. On va se prendre Tin, un plan tin, tin, Marshall tin. dans la gueule, je sens. Donc voilà, donc pour expliquer, ce qui se passe, c'est que donc dans le jeu original, il y a eu un DLC, parce que c'est une boîte qui adore les DLC, même si leurs jeux sont de qualité, ils en abusent, qui adore les DLC, qui a fait un DLC où l'Europe était envahie par les Aztèques. Ce qui en soi est un retournement de situation assez intéressant. Et ici, pour ce mode moderne qui commence donc en 2017, là vous pouvez voir qu'on est en 2041, qu'on a un peu avancé, mais à l'échelle du jeu c'est vraiment pas énorme. Et bien ils ont remplacé les Aztèques par les US, je pense. Et donc, oui, nous allons effectivement avoir la démocratie qui arrive par B-52. Et donc C'est ils sont ça. arrivés en Arabie. Ah bah c'est étonnant! C'est voilà. Donc Alors ils moi on m'a sont dit qu'il y allés. avait des armes de destruction massive là-bas, hein, mais ah je sais pas si vous avez regardé la situation en Afrique, en Égypte. Ah, oula. L'Égypte est. L'Espagne. Mais je vous rappelle qu'on a vu une croisade la dernière fois, une Ah, c'est croisade ça. contre l'Égypte, ce qui explique que l'Espagne se soit emparée du territoire. Tiens d'ailleurs, Et alors, pour niveau répondre. Tunisie. Oui, attends 2 minutes pour répondre d'abord au Effectivement. chat. Ekimano, du coup. C'est effectivement une map qui ressemble un peu à celle d'Europa Universalis, parce que c'est la même boîte qui fait les jeux, donc c'est Paradox. Sauf que Crusader Kings vient se placer avant, chronologiquement. Et puis, d'ailleurs, il y a moyen de passer de l'un à l'autre, de commencer en 700, dans les années 700, et terminer avec Europa Universalis en 1800, voire même encore après. Donc c'est normal que tu aies remarqué une similitude. Sauf que la différence, c'est que les comtés sont plus petits et plus précis dans Crusader Kings, parce que fatalement, il y a moins de territoire à montrer, vu qu'Europa Universalis, c'est sur le monde entier. Alors, comment est-ce qu'on compte s'y prendre pour renverser Macron? Il y a plusieurs méthodes plus ou moins efficaces. On peut évidemment déclarer simplement la guerre comme ça, sauf que le jeu nous permet de voir une estimation des forces, donc c'est une sorte de IFOP intégré. Et on peut voir ici que l'empereur Renaud, donc Renaud qui a succédé à Emmanuel, hein, Ah, ça dit en passant, on a 140% pour augmenter le pouvoir du consul. je C'est pense qu'il faudrait peut-être se lancer effectivement dans cette. Alors, est-ce qu'on peut attendre que je finisse d'apporter la révolution en Artois? Vas-y, Je vas-y. t'en prie. Spécial tribute à certaines personnes de Twitter. Et donc pour reprendre, ici vous pouvez voir le nombre de troupes qui sont disponibles pour notre suzerain. Et donc il y a 7 800 hommes mobilisables. Pour donner une idée, moi je peux Oh enlever 1 500, plus un peu avec mes vassaux, mais les vassaux c'est pas toujours la bonne idée parce qu'après ils ont tendance à se révolter. Alors, juste un point. Les États-Unis sont dirigés par l'empereur Rick Cheney, qui est protestant et dont l'autorité religieuse est Billy des États-Unis. On s'excuse pour la personne qui a créé le mode, hein, c'est... Et donc là, ils sont effectivement en train d'envahir Non, l'Arabie. d'apporter la démocratie Tout à fait. en Arabie et en Libye. Comme diraient certains citoyens, on me l'a dit et je crois que c'est vrai. Georges, on espère que tu es Je là. Non, il doit probablement être en manif quelque part.
Alors, et rappel évidemment, si jamais vous débarquez ici un dimanche matin par hasard, hein, en regardant les nombreuses chaînes qui proposent du Crusader Kings, que nous jouons donc sur la chaîne du Recon du Stream, en soutien à la grève générale reconductible qu'il y a actuellement en France, contre, premier, la réforme des retraites, mais également toute la politique de manière générale menée par le gouvernement Macron. Et donc n'hésitez pas à spammer les points d'exclamation dons et à faire des dons sur Utip pour la caisse de grève. Soit dit en passant, la caisse de grève qui a dépassé la dernière estimation. Donc nous, rien que sur le recours du stream, pardon, on a dépassé les 73 000 euros, ce qui était plus qu'inattendu, qui est impressionnant. Et on vous remercie, on vous remerciera jamais assez pour ce soutien que vous apportez à la caisse de grève et à la grève générale. Et la CGT a déclaré avoir dépassé en tout sur les caisses de grève les 450 000 euros ce matin. Si jamais on additionne le recompte du stream et la caisse de grève Infocom CGT, qui est aussi une grève à laquelle vous pouvez, une caisse à laquelle vous pouvez participer, un peu comme la caisse ZFDT. Vous pouvez y participer, seulement vous ne l'aurez jamais. D'ailleurs, peut-être qu'il faut montrer le personnage de ZFDT Ouais, peut-être montrer de Laurent. Ah oui, tu l'as mis dans quel canté? Au Poitou. Ok, alors pour un Belge, c'est où le Poitou en France? À l'ouest. C'est Tu vois vers. Bordeaux? Voilà, c'est au nord de Bordeaux. Poitiers. Ouais, voilà, clique sur Poitiers, tu l'auras. Ah oui, Duc Valéran du Poitou. Et c'est dans sa cou. Non. Tu es très loin, Fanny. Oula! Alors effectivement, Fanny, si tu Pardon, pouvais monter en le fait non, son. mais je... Ah, je Par viens contre, de effectivement, on vient d'avoir un don de 250 euros de passer. nos bourses. Waouh! Merci Maureen Glass, merci beaucoup. Bah, Je vais merci. enfin pouvoir sortir les anecdotes que j'ai préparées hier toute la soirée. Ah là, tu vas Alors, pouvoir en non, sortir en non, rafale. Alors, non mais T'en as en vrai. dit, t'en as dit ça sortir là. Non mais je vais en faire une longue, en fait, c'est pour ça. Alors. Ah, attendez, juste 2 secondes, juste pour indiquer que l'empereur a fini de construire la tour de Notre-Dame. Nous sommes en 2042, et par conséquent, Macron n'a pas fini les travaux. Alors, je vais vous parler un petit peu du jeu de paume. Alors, on a des preuves de la pratique des jeux de balles à partir du XIIIe siècle, en tout cas en France, mais ils vont surtout se développer pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. Et donc, la paume, donc, c'est l'ancêtre du tennis. Mais il faut savoir que les archives qu'on a, surtout pour cette époque-là, c'est surtout sur les parties qui ont mal tourné et qui ont donc débouché sur un procès. Parce qu'en fait, le premier traité qui est consacré au jeu de paume, c'est en 1555, par un prêtre qui a dit « Ok, on va clarifier les règles ». Donc en fait, je trouve ça c'est assez marrant parce que vraiment, pour le Moyen-Âge, il y a plein de choses où ce qu'on sait, c'est grâce au procès. On ne le dit pas assez, faites des procès. Ensuite, on voit qu'il y a une... prolifération des salles de jeux de paume à partir du XVIe siècle, notamment à Paris, il y en a environ 250. Imaginez 250 salles de jeux de paume à Paris, parce que why not? Et un truc qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'expressions françaises qui viennent du jeu de paume. Alors, je sais pas si vous utilisez au quotidien bisque bisque rage. Non, tout les le gars. Temps, tout le temps, en manif contre les CRS, c'est bisque bisque rage. Mais je propose que quelqu'un se ramène avec une pancarte bisque bisque rage. On comprenne le problème. Et bah, en fait, la bisque, c'est un point gagnant au jeu de paume. Et du coup, ah, en fait, il y a toute une histoire. Rien en fait, à comme voir ça, avec voilà. le homard, du coup. Ah bah non, non. Bah, Et autre expression, enfant de la balle, qu'on dit surtout aujourd'hui pour les, par exemple, les acteurs en fait qui en fait leurs parents sont déjà dans le métier. Et en fait, enfant de la balle, c'était les enfants d'un maître de jeu de paume ou d'un fabricant de balles, ce qui faisait d'eux des experts en la matière de jeu de paume. Et donc, bah, voilà. Et alors ça, bon, je sais pas si c'est vrai, mais ça me fait beaucoup rire. L'expression qui va à la chasse passe sa place. Parce qu'en fait, il y a dans le jeu de paume, lorsque le receveur de balle ne parvient pas à la renvoyer avant le second rebond, il y a chasse. Et donc, je trouve ça très 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 rigolo. Et bien sûr, le tennis, le mot tennis, ça vient d'une expression du français tenez, qui était utilisé pendant le jeu de paume. D'accord. Voilà. Et ouais, non, mais j'ai bossé, les gars. Ah ouais, j'ai bossé. Ouais. Contrairement à nous qui n'avons absolument pas bossé. Alors, petite information, si jamais il y a des gens de l'IGPN qui nous regardent, non, dire que vous jouiez au jeu de paume au moment où vous avez balancé cette Glief 4 n'est pas oh. une excuse. Bah, surtout qu'après, c'est compliqué de jouer au jeu de paume sans les mains. Ah, quoi. C'est ça, c'est ça. Légèrement.
Est-ce que... Est-ce qu'on n'en ferait pas quand même une deuxième parce que 250 euros. Et Ouais, oui, je préviens un c'est moment énormément où d'argent. on pourra lancer la. Ouais. Mais je ne pensais pas que l'Artois était aussi. N'hésite pas à Mais mettre en c'est vitesse 2, parce que hein. le comte d'Artois, c'est Onfroy. C'est le comte, probablement Michel Onfroy d'Artois, Ah, qui est bah en oui! train de gueuler contre l'islamisme ou je sais pas trop quoi. Donc c'est. Il est tenace, ce garçon, on le sait. Un Et d'ailleurs, garçon. les États-Unis ont triomphé de leur invasion, libération, et ils ont donc remplacé l'Arabie Saoudite. C'est. Voilà, et donc, si on peut voir, voilà, ils ont une puissance estimée de 107 000 hommes. Tout va bien, le jeu n'est pas du tout broken. Karl, est-ce que tu aurais le juste mettre dans les donation goals les dons de départ quand on a commencé? Ah, les États-Unis sont plus beaux. C'était 73 030, du coup, un truc comme ça. 73 030, ok. Je me note pour les calculs. Bon, bah vous apprendrez que les États-Unis sont un système tribal, hein. Je pense qu'ils n'avaient pas mieux pour... Les Ah deux non, j'ai grandes été tribus des défiguré! démocrates et des républicains. J'ai été défiguré à la guerre! Hein? Mais quelle idée de combattre toi-même. Et ben Ah, voilà, mais moi, donc j'ai... l'IGPN ne c'est. voit pas de lien entre cette flèche et... Je vois que dans le chat, les gens parlent vachement du jeu de paume, c'est bien. Je pensais pas que ça vous passionnerait autant. Oui, je crois que le comptage de points des tennis vient du jeu de paume aussi, effectivement. Mais en vrai, il y en a plein d'expressions. Mais en fait, Ah, on me j'ai. dit que c'est Nounours qui a fait le don et pas Morenglass. Bah merci Nounours. Je sais pas Oui, pourquoi c'est marqué Morenglass dans le dernier. j'avais remercié Nounours. T'inquiète pas. Bah en fait, dans le dernier don, il y a marqué Morenglass. Ah non, mais ça c'est le oui, le dernier don du sur affiché en direct, c'est parfois avec un décalage. C'est du direct différé. Donc si les informations plus fiables, c'est sur directement le site reconduit.stream, là où il y a directement les personnes qui ont donné, enfin le nom des personnes. Et là, on peut voir Voilà. également que la Belgique, le duché de Belgique vient de se faire vassaliser par l'empire J'appelle ça français. quelque chose de sain. Bah, disons que là, ils ont pris la partie flamande. Donc voilà, Ah, c'est la je. tributarisation en fait. On fait payer. D'accord. Donc en fait, la France fait payer à ce qui était la Hollande, je pense. Oui, c'est ça, la Hollande. Ouais. Ils font payer notamment l'usage des routes par les caravanes hollandaises. Voilà, les gens qui ont déjà conduit sur l'autoroute des vacances avec des caravanes comprendront. Pour une fois, je suis d'accord avec le gouvernement. Oui, sauf qu'ils se sont trompés de gens qui parlent néerlandais. C'est pas les bons. Les gens qui parlent les hollandais sont ici. Les flamands, c'est plus bas. C'est chez nous. Voilà, c'est ce qui appartient à la France. Voilà, il y a une partie conquise et une partie tributarisée. Euh, Heureusement alors, que la on France a va aussi pouvoir lancer conquis une la guerre partie de en la plus. Suisse. Hein, Question, est-ce que le Poitou, est-ce que ZFDT est dans la faction? Oui. Ah, dans la faction, ça m'étonnerait bien sûr, mais Non, du Sud, Gascogne, et non, regardez, non. même quand on les simule, c'est des sociotraîtres. C'est fou, hein? Et donc là, on a lancé une faction, donc c'est un moyen c'est comme un mouvement social avec un objectif qui est d'accroître le pouvoir du conseil, donc ce qui se rapproche le plus d'un quelque chose de démocratique dans Crusader Kings. Et on a recruté donc plusieurs ducs et comtes puissants et puissantes. Et on a une estimation de la puissance. Et là, on vient de voir, d'ailleurs en direct, pendant que je parlais, qu'on passait de 100 à 75% de rapport Ah de oui, force. Donc la Provence ça a devient trahi. négatif. Ah zut! Ouais, ah bah en fait, on n'est plus que nous trois. Ah! Je pense qu'il y a une taupe du gouvernement dans le chat qui a dû faire Non, passer l'info et faire pression, parce que je ne vois que cette explication-là, évidemment. ça c'est attends, parce qu'en fait, il y a deux factions. Il y avait la faction pour l'indépendance de la Bretagne, mais le comte breton est parti de sa propre faction pour l'indépendance. Donc, Ah. bah, désolé les gars, mais au bout d'un moment, je peux rien faire pour vous, quoi. Vous vous en rendez bien compte. Et par contre, pour le pouvoir du conseil, effectivement, on n'est que à 78%. Alors c'est ballot C'est. parce que je viens de finir ma guerre. C'est très ballot, oui.
Bah après, si on fait tous et tout de la puissance militaire, il y a moyen qu'on arrive peut-être à 100%, mais bon, c'est quand même serré. Mais voilà, vous voyez à quel point c'est compliqué de construire un mouvement social et de massifier. On espère qu'on va quand même réussir à faire quelque chose de cette partie, mais pour l'instant, c'est Alors, compliqué. Shadok, effectivement, le conseil, ça reste des nobles qui veulent du pouvoir. Mais ici, nous ne sommes pas des nobles, nous sommes des représentants du mouvement social. Nous avons lutte ouvrière, nous avons la CGT, nous avons Sud, donc Nous là, c'est sommes différent. des partenaires sociaux, Voilà. comme dirait le gouvernement, hein. Est-ce que tu Il passerais faut... en vitesse 2 ou 3, histoire Je que. passe en vitesse 2 ou 3, Tant je qu'on fais ce que vous voulez, qu'on n'a pas de guerre ou de choses plus. c'est vrai. Ce qu'il faut dire aussi en parlant de Cruiser King, c'est vrai que c'est quand on a des phases où il se passe pas grand-chose, où on est juste à attendre que nos complots ou nos guerres, etc., se terminent, et donc qui sont un peu des moments de non-jeu. Donc là, c'est ce qu'on vous propose. On en est désolé, mais on fait ce qu'on Et peut on est pour pour s'en l'instant toujours dans sortir. une phase de centralisation du pouvoir, hein, parce que de toute façon, le gouvernement fait de moins en moins. Ah, je Ah. suis mort. Désolé, c'est Il Crusader s'affouille, je suis Kings. mort. Ah, et donc nous sommes mariés. Nous sommes mariés, Ah. femme. Eh ben, Je suis très écoute. honoré d'être ta femme. Eh ben écoute, je suis très honoré d'être ton mari. Je te laisse toute latitude pour mener ta vie comme bon le semble. Alors, j'entends bien en fait. Le petit détail par contre, du coup, au niveau de l'héritage, on Ah risque bah, pas au niveau d'en de virer un des l'héritage, deux. je vais complètement absorber. Voilà, vous voyez, la CGT retrouve ses réflexes staliniens. Et notre héritière qui s'appelle donc Bérangère GT, je peux pas changer son nom, peut-être que Est-ce toi que tu moi je peux. peux pas le Toi, faire? t'aurais Non, pu le personne peut le faire à la faire. naissance. Personne ne peut. Non, normalement j'ai regardé à sa naissance aussi, mais je pouvais pas non plus parce que si, pourtant elle est à ma cour. Je sais pas pourquoi je peux pas changer son nom. Bref, c'est pas grave. Qui est vive, hein, parce que voilà, faut pas déconner. En même temps, c'est l'alliance des deux plus puissants syndicats de France, donc c'est normal qu'elle soit vive. Mais moi, donc effectivement, l'héritage ira à ma fille, à notre fille commune, à la CGT et à Sud. Donc, ce qui fait que moi, à ma mort, je jouerai mon frère, probablement, donc Cassin, le comte de Narbonne actuellement, et Alto récupérera les deux duchés, donc je serai vassal d'Alto. Non, on n'est pas ça comme ça. Tu vas devenir un partenaire intégré. Voilà, c'est une la fédération, c'est une nouvelle forme du confédéralisme qui va permettre de. C'est ce qu'on appelle une fédération centralisée. De s'associer plus, voilà, plus fortement. Et petit point sur la situation internationale, on remarquera que la Turquie a conquis l'Arménie. Donc il reste un petit bout de l'Arménie vers kurde, d'accord? Alors, Donc on est en guerre. le royaume kurde d'Arménie, c'est très troublant. Ah Mais oui. France est en guerre aux côtés de l'Espagne pour. contre une guerre sainte. Ah oui, Alors ça, vous voyez, ça, c'est le résultat quand vous laissez des Bourbons à la tête de l'Espagne et le titre de chanoine du Latran. Parce que là, effectivement, on peut voir quand l'Italie et l'Espagne se sont dit qu'ils allaient repartir en colonisation de l'Afrique du Nord. Mais il y a une Parce que résistance qui pourquoi pas? s'organise, et évidemment Emmanuel Macron, enfin pardon, Renaud Macron, maintenant, en soutien de leur impérialisme, les a rejoints. Voilà, l'Europe, l'Union européenne en 2043 décide d'imposer son libre-échange de manière hardcore de l'autre côté de la Méditerranée. Alors fais gaffe parce que tu vires quasiment un soliniste là. L'article 50! Le traité! Je sais plus qui disait sur Twitter pendant les élections que si jamais tu demandes l'article 23 de la constitution nigériane à Asselineau, il te demande avant ou après amendement.
Bah, du coup, tant qu'on est un peu dans une phase d'attente, est-ce que on ne parlerait pas un peu de nos organisations respectives? Notamment, moi j'avais un peu parlé dessus de la dernière fois. Alto, est-ce que tu peux faire une petite explication de la CGT? Parce que c'est quand même la Bah, CGT CGT, c'est le syndicat. qui gère notre caisse de grève, là, donc c'est un peu. La CGT, c'est le syndicat historique, un syndicat historique en France qui est d'inspiration à l'origine anarcho-syndicale. Aujourd'hui, la branche anarcho-syndicale existe surtout dans la branche cheminot. Vous les reconnaîtrez assez facilement. Ils ont encore leur un logo assez ancien et c'est ceux qui ont un gros mortier dans dans les manifs qui s'amusent à taper dessus. C'est très drôle. C'est aussi un des principaux syndicats de France, sachant qu'ils se tirent la bourre avec la CFDT pour des raisons de comptage. Est-ce qu'on compte plutôt le nombre de sièges dans les conseils d'administration ou est-ce qu'on compte le nombre d'adhérents? Sachant que la CGT, il me semble, gagne sur le deuxième point. Et c'est évidemment, par conséquent, un des partenaires sociaux du gouvernement les plus actifs et les plus, comment? Les plus dangereux pour le gouvernement parce que ce nombre crée une force. C'est ce qu'on appelle en théorie politique le rapport de force. On a un rapport de force qui est assez à l'avantage de la CGT en général parce qu'elle a la capacité de bloquer le pays. Et d'appeler à la grève, et d'appeler à une grève massive. Là où des syndicats comme FO, qui est un syndicat financé par la CIA, ex de la Créé par la CGT, CIA, rappelons-le. voilà, et je rigole même pas, hein, c'est vraiment un fact, c'est pas la théorie du complot, c'est la CIA qui voulait un syndicat non marxiste en France. Mais ils l'ont fait dans tous les pays d'Europe occidentale. Hein. Donc FO a été créé en 47, 1947, par des dissidents de la CGT, qui ont été effectivement payés par les États-Unis. Mais je crois qu'ils l'ont fait aussi en Italie, en Belgique, en tous les pays où il y avait un peu une implantation communiste forte après la guerre et des risques de guerre civile du coup. Alors, je Voilà. pourrais faire un petit point sur la Belgique après. Très Et bien. voilà, ce sera très intéressant. Et donc la CGT pour l'instant est là à l'heure actuelle, c'est vraiment le point de discorde dans le gouvernement parce que ils sont, on va dire, majoritaires. L'intersyndicale est pour l'instant assez démocratique. Les syndicats Sud, Solidaires, CGT, FO, etc. se partagent assez bien le pouvoir, mais le gouvernement qui aime les têtes un peu visibles préfère parler à la CGT. C'est parce qu'ils se disent si jamais on arrive à calmer la CGT, on arrive à calmer tout le monde. Pour autant, Martinez est quand même assez énervé, comme dit Amalassonde dans le live, dans le chat. C'est le Grinch, il est en train de menacer Noël. Et par conséquent, la CGT, voilà, pourquoi je voulais l'incarner, tout simplement pour ça, et parce que elle tourne autour de la charte d'Amiens, et ça me faisait beaucoup rire d'avoir la capitale à Amiens. Donc la charte d'Amiens, qui est une charte des syndicats rappelant leurs objectifs, et Qui la est puissance qui a un qu'on. peu fondé le syndicalisme à la française en 1906, c'est ça, de Bah, il me mémoire? semble que c'est 1906, ouais. Les historiens et les historiennes, enfin les journalistes du chat, quoi, les gens qui font des trucs après le 15e siècle, est-ce que Très vous pouvez nous calme. rappeler si on a rime? Après le 10e siècle du journalisme, on l'a déjà dit. Voilà que je suis parti des super Je royales. me casse, je me casse de ce stream immédiatement devant l'obstruction de la part de mes partenaires sociaux. Alors Shadok qui nous demande convention collective de la métallurgie, dans quel syndicat vaut-il mieux que je m'inscrive? Alors, on va être très honnête, on n'est pas là vraiment pour faire la pub de tel ou tel syndicat. Moi, par exemple, j'ai de très profonds désaccords avec la CGT. Alors moi j'ai peu de profonds désaccords avec Sud, mais vas-y. En revanche, en fait, il faut que tu vois ce que tu veux faire, ce que tu as comme objectif. Soit ton objectif, c'est un objectif politique, et dans ce cas-là, tu regardes quel syndicat a plutôt ta ligne politique. Je ne sais pas du tout, mais par exemple, si tu as une ligne plus à gauche, assez à gauche, enfin très à gauche, tu peux aller voir s'il n'y a pas un syndicat Sud ou Solidaire. Ou la Si tu es dans. CNT, rappelons-le, Ou hein, la CNT. La les CNT, camarades très, très. anarchistes Voilà. de la Confédération nationale du travail. Si tu es un peu plus réformiste, tu peux toujours te diriger vers la CGT. Si jamais tu es de droite, quitte ce live et va t'inscrire à la CFDT. Ce Donc qu'il voilà, faut aussi. soit c'est un objectif politique, soit tu as vraiment un objectif de militantisme et de protection de tes droits. Et dans ce cas, je te conseille de regarder quel est le syndicat majoritaire
dans ton dans ta boîte et vraiment dans ta boîte parce que c'est au niveau de ta boîte que ça se joue. Voilà. On a une question aussi de toujours de Shadok Zero qui dit en quoi le syndicalisme à la française est-il différent de celui des autres pays. Du coup, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur sur la Belgique justement tant qu'on y est, Karl. Oui. Pour, Alors, je peux faire un point rapide. Bon, par contre, c'est plus vraiment un point de militant, pas du tout au point de vue histoire, parce que c'est beaucoup trop récent pour moi. Mais donc en Belgique, les syndicats sont encore très marqués par ce qu'on appelle la pilarisation. C'était quand, surtout au 19e siècle, la société était très divisée en piliers. Il y avait notamment le pilier catholique, libéral et puis les socialistes. Et en fait, un pilier, c'était vraiment un peu un entre-soi dans lequel les gens restaient. À peu près, enfin, qui pouvait transcender un peu les classes sociales, bon, avec évidemment les reproductions de différences sociales dedans, mais avec par exemple un enseignement qui était différencié, donc les gens qui étaient dans des familles catholiques allaient dans l'enseignement catholique, avaient la mutuelle catholique, le syndicat catholique, enfin voilà, c'était vraiment tout était très divisé. Maintenant, disons plutôt clairement sur le modèle de la CGT, mais comme il n'y en a pas d'équivalent du Sud, les anarcho-syndicalistes sont à la FGTB aussi, un peu par défaut. On vient de perdre le live. Ah, encore un coup de censure. Alors attends, je me surpose. Hop là. Ah, c'est bon, on est revenu. Ah, okay. On est revenu ? Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. Est-ce que du coup où est-ce que j'en étais dans le les trois piliers qui enfin que oui, chacun mais pour a son syndicat. Je sais pas ce que le live a parce que vous c'est normal que vous m'avez entendu mais c'est pas faux, ça c'est sûr. la question malin. C'est plutôt savoir ce que le chat malin. A entendu. Ah, poutou, tout le monde d'accord. Donc tout le monde nous entend. Il y a eu un point Vals. Ah oui, pour ceux qui arrivent dans le chat, qui n'ont pas l'habitude du chat, le chat parce qu'on a le meilleur des chats dans le meilleur des Twitch, et le chat a mis en place un code VALS, c'est quand le live ne fonctionne plus, qu'on n'entend rien, et Poutou, c'est quand ça fonctionne, et j'aime beaucoup ce code, donc voilà, pour les nouveaux, je vous offre cette information, faites avec. Ok, donc apparemment ça a coupé après les trois piliers, donc je reprends rapidement. Donc il y a eu, en fait chaque pilier avait son syndicat, et c'est encore les syndicats qui sont maintenant, et qui existent. Donc, petit fun fact, il y a un syndicat libéral, qui se définit comme syndicat et comme libéral en Belgique. voilà, c'est une blague belge en soi. Et ensuite, donc il y a l'héritier du pilier catholique avec la CSC, et l'héritier du pilier socialiste avec la FGTB. Alors, de manière très rapide, souvent la GTB a une vision plus radicale et plus offensive du militantisme, même si, je l'ai dit, on est plus proche de la CGT que de Sud. Mais c'est vraiment dans les grandes lignes, parce que ça dépend très fort des centrales. Et typiquement, chez les employés, la centrale employée du syndicat catholique est généralement beaucoup plus offensive. Que celle du syndicat socialiste. Donc voilà. Et le problème, c'est que c'est vraiment des guerres de chapelle, sans mauvais jeu de mots, entre les deux syndicats, ce qui fait que souvent il y a des désententes et des accords qui se font, même plus spécialement sur des points politiques, mais beaucoup sur de la méfiance inter-orga, alors que c'est vraiment pas une division qui est fondamentalement politique. Moi, je rêve que d'une chose, c'est le jour où. Toutes les centrales radicales iront à un endroit et toutes les centrales réformistes à un autre et ce sera beaucoup plus clair. Ah, et je meurs. Là-dessus, Laurent Ouvrière est mort. Donc voilà, c'était le petit point Belgique. Ah, en France, il y a un syndicat libéral aussi, le MEDEF. Ok. Alors, c'est pas à ce point-là, la CGSLB. Hein. Ça arrive de les voir en manif, quand même. Avec des goûts souvent douteux d'ailleurs, mais ça va. C'est un peu comme des syndicats comme l'UNSA ou la CFE-CGC en France, donc qui sont plutôt des syndicats. Voilà, CFE-CGC, c'est des syndicats de cadres, je crois que tout est dit.
Mais et l'UNSA, qui est aussi un syndicat plutôt, disons, très libéral, et, mais quoi, par exemple, qui sont là, qui soutiennent en partie le mouvement de grève, etc. Je vous propose de, vu qu'on a quand même eu un gros don tout à l'heure, et en attendant qu'on ait d'autres dons, que je vous fasse une autre petite anecdote Oui, historique. allons-y. Alors, le 3 avril 1369, déjà on était bien, le roi de France Charles V promulgue un texte qui interdit aux sujets les jeux de dés, les jeux de table, de paume, de quilles, de palets. En fait, il interdit tous les jeux qui n'ont pas d'utilité et tous les jeux qui ne servent pas au maniement des armes. Donc, on peut se dire, bah quand même, c'est pas très gentil. Et pourquoi il fait ça? En fait, c'est parce qu'on est dans le contexte de la guerre de 100 ans, tout, tout, tout. Donc, c'est un très, très grand conflit qu'il y a eu au Moyen-Âge entre la France et l'Angleterre. Et en fait, en 1369, c'est un peu la reprise d'hostilité, là, ils se chauffent et tout. Et donc, on interdit les jeux pour concentrer les gens sur les loisirs comme le tir à l'arc ou l'arbalète. En gros, on dit, voilà, non, je vais pas à ça, je vais plutôt à ça! Comme ça, vous allez devenir des bonbons guerriers. Parce qu'en fait, faut savoir que quelques années avant, aux batailles de Crécy en 1346 et de Poitiers en 1356, en fait, le roi il s'est rendu compte quand même que les archers anglais étaient méga forts. Et il se dit, oh, bah, on va peut-être un petit peu former tout le monde au jeu de l'arc. Enfin, voilà, pour un petit peu mieux se battre pendant la guerre. Alors, sachant qu'ils étaient super forts parce qu'il y a une obligation en Angleterre de s'entraîner à l'arc. Ben voilà, il a voulu faire C'est une pareil un peu en France. obligation hebdomadaire et on a trouvé quand même des squelettes avec des malformations osseuses à force de s'entraîner parce que ce sont des arcs longs, ce qu'on appelle les longbows anglais, qui sont des arcs qui sont très difficiles à bander. Si jamais quelqu'un peut lâcher un titre dans le. Voilà, Ça c'est ce m'arrangerait. que j'allais dire, c'est ce que j'allais Merci. dire. C'est facile si c'est réclamé. Oui, j'ai appelé notre fils Grinch, mon Ah petit, bah oui, mon Grinch petit j'étais homme. tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que le roi de France s'est dit, bon, on n'arrivera jamais à faire des arcs aussi efficaces et des archers aussi efficaces parce que globalement, on n'en a même pas envie. Ça pourrait être dangereux en cas de révolte. Par contre, on peut toujours faire des arbalètes. Ça, tout le monde sait en faire. C'est 3 bouts de bois et une corde. Non, je refuse ça. Et donc, on s'est dit, tiens, on va entraîner des arbalétriers. Sauf que c'était beaucoup trop efficace. La différence entre un longbow anglais et l'arbalète, c'est que l'arbalète laisse très peu de chances de s'en sortir. Un longbow, il y a encore, on peut s'en sortir blessé. Une arbalète, c'est quand même un machin qui peut envoyer un carreau du sol à très haut dans les murailles et transpercer une armure. Donc relativement peu de chances de s'en sortir. Tant et si Ça bien que dépend le les types pape, d'armure quand même. à l'époque, parce que là on est au 13e, il me semble, le moment où le pape va dire, bah, c'est simple, je jette l'interdit sur la France si vous continuez à utiliser l'arbalète et j'excommunie toute personne utilisant une arbalète. Il y avait trop de morts, il a dit stop. Ouais, Voilà. 13e, c'est encore beaucoup de mailles. Maintenant, par contre, quand les armures passeront sur des armures plutôt de plate, donc avec vraiment des plaques de métal littéralement. Là, généralement, les arbalètes vont plus être suffisamment puissantes, ou alors faut vraiment être à très courte portée. Par contre, c'est sûr que dès qu'un endroit n'est pas protégé, ou typiquement pour les chevaux, ou pour l'infanterie, enfin, ça reste une Oui, c'est arme ça. Les mortelle. armures de plate, ça reste quand même quelque chose qui est pas hyper répandu, quoi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour. Mais de rien, mais j'en ai plein. Genre, j'ai 3 pas joueurs, les gars. Vous avez les gens dans le chat, vous avez Bah intérêt à après là donner en fait parce que. techniquement Artefran, on en avait 12 hein. j'assume la mauvaise foi, hein, totalement. Ça Ouais, alors. mais faut pas qu'il y en ait. Parce que un à donner, que voilà, on va tout sortir quand même. Ouais. Mais du coup, en fait, Fanny, si je résume, ils ont empêché les gens de faire des loisirs pour, enfin, d'avoir leurs loisirs pour aller s'entraîner à la guerre, c'est ça? C'est ça, C'est en fait, ils ont l'objectif de empêché cette un loi. certain type de loisirs en espérant que les gens se Donc concentrent sur les loisirs de la guerre. c'est le SNU, en fait, c'est le service universel. Ah, Non, il y a ça, les jeunes, vous c'est pas, vous pouvez pas vous amuser, allez plutôt ramper dans la boue avec Thibaut InShape, ça Après, serait c'était vachement pas que plus les jeunes, drôle. du coup, c'était vraiment tout le monde. Parce que, enfin, c'était. Après, c'est sûr que voilà, les jeux de dés et tout ça, c'était beaucoup plus, c'est clair, des divertissements de gens du peuple. Parce que, hop, allez hop, autre anecdote. À Et la ton fin du avis, ça Moyen-Âge. rattrapait, Hein? Oui, bah ça va.
Bah aussi, attends, mais c'est n'importe quoi. Attends, je décède deux secondes. Je rappelle que j'ai une fièvre et que je suis malade, mais ça c'est pour vous. Les armures de plate, ouais, effectivement, pas trop répandues à cause du malus de dextérité. Et pour combien de bonus à Donjons et Dragons, ça dépend de la matière. Parce que tout le monde sait qu'une armure en or est forcément meilleure une meilleure protection hein, au combat. Toutes les personnes qui ont déjà manié, qui ont déjà travaillé un peu sur des métaux, savent que l'or extrêmement bonne protection. Et en fait, à la fin du Moyen-Âge, pour les aristocrates, un des loisirs les plus utilisés, c'est les échecs. Et il faut savoir que les échecs ont été introduits dans le sud de l'Europe au Xe siècle. Et qu'a priori, les échecs auraient été probablement inventés au 5e siècle en Inde. Oh, en Inde. Voilà. Ah, ça fait Inde. Vieux quand même, 5e siècle. Oui. Mais du coup, il me semble que tu as des petits plateaux d'échecs avec, au lieu d'avoir nos pièces occidentales, avec des petits éléphants à la place des cavaliers, etc. Parce qu'en Inde, fatalement, les éléphants, c'est ça. Plus ça que... Et si vous avez l'occasion, que vous êtes de passage à Paris et que peut-être la grève le permet, je vous conseille vraiment d'aller voir l'expo de Tolkien à la BNF. Il y a un magnifique plateau d'échecs qui est gigantesque et qui est réputé comme étant le plateau de Charlemagne. J'ai l'abbé. Mais je crois que c'est juste une appellation. Et il est, il doit faire un mètre de large sur un mètre de large, de côté, pardon. Et vraiment, c'est très, 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 très beau. Il est bien mis en valeur dans l'expo, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Voilà, comment ça se passe dans le jeu ? Je vais me faire assassiner. Ah merde. Quelqu'un a tenté de m'assassiner, je crois. Et moi je suis en régence, donc c'est Évrard de Tourayère, mais j'ai 6 ans. Voilà, et donc jusqu'à mes 16 ans, je suis assez limité dans mes options parce que ça doit avoir l'aval de mon conseil et de mon régent. Donc pour l'instant, c'est très. Je compte. Alors, Shadok qui dit que la BNF est desservie par la 14 et qu'elle fait jamais grève, oui, mais ce n'est pas parce que c'est automatique, c'est parce que c'est Delevoye qui conduit les trains. Non, mais que la BNF elle-même est souvent en grève en fait. Donc, ah oui. Non, c'est que là il y a, je crois que il y a plein de gens qui ont dû, voilà, faut voir, c'est pas forcément tout le temps ouvert en ce moment. C'est ce qui est dommage parce que bon, c'est vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir cette expo, elle est magnifique. Même si vous connaissez pas beaucoup Tolkien, même si vous connaissez vraiment très peu, allez la voir. Réservez-vous au moins 2 heures minimum parce que c'est ce que ça prend minimum, et elle est magnifique. Et puis, si vous connaissez pas beaucoup Tolkien, déjà lisez du Tolkien, parce que c'est trop bien. Ouais, mais en fait, même si vous avez jamais lu, en fait, c'est vraiment, même si vous êtes intéressé, si vous intéressez par exemple juste à la littérature, mais allez la voir, en fait, elle est très très bien faite pour les gens qui n'y connaissent rien. Mais aussi, il y a de quoi trouver si on s'y connaît beaucoup. C'est la loose, hein, dans la faction, là, où c'est moi. Ouais, bah, rejoins, est-ce que t'es dedans ? Non, parce que je tente le réformisme, depuis tout à l'heure, je bloque les réformes gouvernementales. Ah, t'es rentré au conseil ? Moi, j'ai eu un. En fait, je suis rentré au conseil parce que j'ai pas regardé. Moi, j'ai eu un fils illégitime avec Sbelista du Colib. Je suis désolé, je t'ai trompé. Mais. Quoi ? Mais c'était. Voilà, je t'ai trompé avec Luc Colib, chérie, je suis désolé. D'accord, très bien, je note. Et on, j'ai même pas le droit de demander un divorce, c'est dégueulasse. Bah ça reste le Moyen-Âge, hein, camarade. Au Moyen-Âge, on pouvait divorcer seulement si on trouvait les liens de parenté. De consanguinité. C'est comme ça... Oui, de consanguinité, voilà. C'est comme ça que Alinor d'Aquitaine et donc c'était Louis VII. C'est ça, Louis VII ont pu divorcer. Attends, je vais vous lire quand même ce panneau qui est extraordinaire. Coussin déchiré, meubles cassés, vases brisés, mon mariage avec autogestion a dégénéré en un tourment infini de disputes furieuses et de querelles futiles. Voilà. Voilà l'autogestion, on voit ce que ça donne. La dépression s'emparerait normalement de moi, mais mon amante Sbelista vient tout juste de me suggérer une escapade à la campagne. Bon, en réalité, on va juste aller sbelifier Paris pour quelques jours de passion et de romance et de barricade. Donc voilà, je quitte l'autogestion pour aller juste pour devenir full toto et aller cramer des commissariats. N'importe quoi. Tout le monde sait que tu vas bien à la campagne pour rejoindre le parti chasse, pêche et tradition. Donc, oui. J'ai deux corrections à faire. Donc, Amalasson dans le chat dit qu'on peut divorcer sans lien de consanguinité avant 1215. Voilà.
Oui. Oui, je disais tout à l'heure, c'est dommage qu'on puisse pas y aller. Oui, parce que c'est dommage que le gouvernement ne cède pas à ce que veulent les syndicats et que du coup, on puisse arrêter la grève. C'est la faute à Macron. Évidemment. C'est pas la faute aux gens qui font la grève. Lista, encore un enfant de moi. Eh ben dis donc, ça envoie hein, du côté des totos. Bref, oui, pardon, je sais pas où j'allais avec cette phrase, mais Ah bah d'accord, bah je c'est pas vous grave. l'offre, je vous l'offre, chat, continuez là. Ah, Botchyperion dit que tu vas fonder Extinction Rébellion. Où est-ce qu'on en est avec, avec le Poitou? Où est-ce qu'on en est avec ZFDT? Alors, il est toujours vivant. C'est Valérian le faible de la ZFDT. Hein, Mais Est-ce que je effectivement, peux lui déclarer la guerre comme ça? Non, je veux pas, je suis trop loin. j'ai pas de raison moi non plus pour lui déclarer la guerre. Mais pour l'instant, toutes mes tentatives de déclarer la guerre échouent lamentablement. Enfin, de faire des revendications échouent Alors non, Zen the lamentablement. Beat, c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est à chasse, pêche, nature et tradition, c'est parce que lui, il va rejoindre chasse, pêche, nature et tradition, c'est tout. Vous voyez le discours jaloux porté par les camarades trahis de la CGT. Je tiens d'ailleurs à préciser que si je décède maintenant, je perds la partie parce que je n'ai pas d'héritier à ma dynastie. Ce qui est très étrange parce que j'ai vraiment quand même. Bah oui, mais t'as que des héritiers matrilinéaires. Bah ouais, mais pourtant j'ai trois frères, donc je pensais que je Bah oui, jouerais mais ça reste la un ligne de autre frère. succession Bah ouais, ouais, patrilinéaire. ouais. Vous pouvez me dire ce Bah que ouais. c'est matrilinéaire, hein? Parce que moi, je Alors, sais, mais je suis pas sûr. matrilinéaire, c'est la ligne de succession qui passe par la mer. En fait, là où une ligne de succession patrilinéaire, donc c'est ce qu'on connaît le plus en Europe médiévale, Surtout en France. c'est les biens du père qui vont être transmis. Et les biens de la mère, mais voilà, à l'héritier de la dynastie du père. Une ligne matrilinéaire, c'est l'héritier de la dynastie de la mère. Et là, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est bien d'être Toto du Sud, mais si on lit pas les C'est ce tracts. qu'on appelle dans le jargon de l'antrisme. Voilà, c'est. Eh ben, après, tu m'as trompé, donc, hein. C'est vrai, ben voilà, ce n'est qu'un juste retour des choses. L'antrisme pour les gens qui sont peut-être pas trop syndiqués. Pardon. C'est C'est. mon calendrier de l'Avent qui vient de tomber chez On est moi. en train de perdre Fanny, non? Non. Donc l'antrisme, si vous êtes pas très, si vous savez pas trop ce que c'est le fait d'entrer dans une organisation pour tenter de la transformer de l'intérieur et de la faire adhérer à vos objectifs. C'est par exemple si tous les 436 personnes qui regardent le chat là, enfin qui sont sur le chat rejoignent, enfin sur le stream rejoignaient la CFDT avec pour objectif de prendre le pouvoir dans les instances de la CFDT et de la faire devenir une organisation révolutionnaire. Ce serait de l'antrisme. Et il y a un courant politique qui s'est spécialisé là-dedans en France et en Europe, qui sont ce qu'on appelle les lambertistes. Petit point, moi j'adore les lambertistes, donc voilà. Petit point lambertisme, qui sont donc un courant marxiste-léniniste, je crois que c'est des trotskistes, qui dans les années 60-70 ont adopté comme doctrine l'idée d'entrer dans des organisations pour les transformer de l'intérieur et les faire accéder à les faire devenir ré révolutionnaires. Et tout le monde connaît des lambertistes, puisque notamment Lionel Jospin, notre bon Lionel, Ah. et Jean-Christophe Cambadélis également étaient lambertistes dans leur jeunesse. Et ce qui prouve donc que le lambertisme, ça marche pas du tout, parce qu'en fait, les institutions sont plus puissantes que toi, et c'est les institutions qui te transforme et pas toi qui transforme les institutions. Est-ce que le delevoyisme, c'est une forme de lambertisme, mais sur les emplois? C'est ça, c'est exactement ça. C'est rentrer dans tous les emplois pour créer un chômage de masse et pouvoir ainsi entraîner une révolution de la part de la population. Alors Raymondette qui demande si jamais tu veux Oui, pas. j'ai vu Raymondette, mais j'ai légitimé mes deux bâtards, moi j'en ai rien à Mais en foutre. fait, le truc c'est que Mais en légalement, fait. par le contrat de mariage, il me doit ses terres. Non, Voilà. non, en fait, alors, dans la théorie du Moyen-Âge, ce serait ça. Dans la réalité du jeu, c'est que j'ai déjà un fils avec ma chère et tendre autogestion, C'est moi. qui est donc Grinch GT. Et donc, Grinch GT est le Ah, on a eu premier. un gros don, il me semble. Ah. On a eu plusieurs dons de toute façon. Est-ce qu'on peut avoir un point sur les dons? Oui. Ouais. Alors, petit moment don. Nous avons donc Café Calva qui vient de donner 20 euros. C'est bien, ça va être tout pile une anecdote. Oui. Grosse,
44 qui vient de donner 100 euros, merci à beaucoup. Wow. Et Grisole qui vient de donner 20 euros. Un grand merci. Eh ben merci, merci tout le monde, merci pour les camarades. Ah, est-ce que tu veux mettre sur pause le temps que je mette les Lego là? Et du coup, vous devez lancer l'invasion. Ouais. Oui, parce et en plus de ça, il y a un message pour la croisade pour la Turquie. Voilà, donc on va, ça va faire un très bon écran de petit moment de pause. C'est Serge V qui va lancer la croisade. Parce que là, si et normalement, maintenant, vous devez lancer l'invasion de l'Angleterre. Ouais. Donc effectivement, on a déjà pas changé les lois dans notre pays. Alors ils ont 8000 l'Angleterre hein, si on attaque. Moi personnellement, je peux aligner 1000 personnes. En fait, c'est plutôt la force de débarquement qui va nous. Moi, je suis à 2300. J'ai pas de bateau. Ah bah oui. Bah attends, t'as pas de bateau l'Angleterre ? Bah si. C'est nouveau ça. par le Pontieux, t'as pas des bateaux ? Bah non, parce que j'ai pas encore construit de port dans le Pontieux. Et oui, c'est pour ça qu'il faut donner la caisse de grève pour qu'on puisse construire des ports afin de pouvoir envahir l'Angleterre. Ça, c'est le projet secret de Martinez qu'on vous a pas dit. Bon, alors j'ai plein d'anecdotes du coup à faire là. Oui, on est compté. Là, il y avait effectivement. Donc il y en avait encore un peu de nounours, mais même des nouveaux, ça fait 140, ça fait 7 anecdotes. Ok, alors je vais vous parler des cimetières. Ah, c'est sympa. Est-ce qu'on peut relancer la partie? Juste une seconde. Vas-y, pour moi ouais, c'est bon. Alors, donc au XIIIe siècle, en fait, on va voir que les autorités religieuses divisent l'espace urbain en un réseau de paroisses. Et donc, à partir du XIIIe siècle, mais c'est déjà un peu le cas avant, hein, les églises et les cimetières deviennent un lieu de sociabilité pour rassembler les gens au moment des offices et des prières. Et donc, le cimetière devient un lieu de rencontre, mais aussi donc d'échange pour le commerce. Ce qui fait qu'entre les tombes, on a des gens qui font leurs petits étals, comme ça, qui vendent leurs trucs. On peut aller voir des écrivains publics pour écrire des choses, tout à fait. Et il y a même des foires qui se font dans les cimetières, comme à Saint-Ouen ou alors au cimetière des Innocents. Et même, on pouvait vendre des chevaux au cimetière des Innocents jusqu'au XIIe siècle. C'est vous dire. Eh ben, il était mi-céleste. Allez, autre anecdote, parce que ça m'a beaucoup fait rire. Et alors, attention, où est-ce que c'est? Oui, au XIe siècle, on compte près de 190 jours fériés par an. Ah, 190 eh ben ouais. Jours fériés. Plus les dimanches qui n'étaient pas travaillés parce que c'est le jour du Seigneur, on peut pas travailler, c'est le jour du repos. Donc en fait, le toute une partie du Moyen Âge où effectivement les gens travaillent beaucoup moins qu'on pourrait le penser. Et c'est notamment un des trucs qui va beaucoup changer avec la réforme protestante. Parce que en fait, les protestants, pas tous, mais une partie des protestants, si vous voulez, sont plutôt quand même du côté du capitalisme naissant. Et donc en fait, ceux-là, ils vont supprimer tous les jours fériés en disant, mais parce que les jours fériés, c'est en l'honneur des saints, les saints, c'est pas vraiment Dieu, etc. C'est des intercesseurs entre les hommes et les dieux, il faut pas d'intercesseurs entre les hommes et Dieu. Et donc, ils vont supprimer tout un tas de jours fériés parce que en réalité, ça permet de faire travailler plus les gens et de foutre les gens au travail. Merci. Voilà, toujours là pour faire un peu d'anticapitalisme et d'anti-travail quand il le faut. Alors, je veux te confronter, Toto. Confronte-moi. Ma femme autogestion vient de me demander s'il y avait une liaison avec Spelista Ucolib. Oui. Tu ne peux pas mentir là. Ah non, j'ai dit complètement la vérité. On a trois enfants, on a deux enfants ensemble que j'ai légitimés. Ça serait un peu compliqué de dire non, je ne connais pas cette personne, je n'ai rien à déclarer. Et alors, moi je fais un collab. Ceci dit, après je t'ai foutu enceinte. Donc, bon. Mais ça ne fait pas en ta faveur. C'est le revenge sex vraiment qui fonctionne très très bien. Alors, avant que Fanny fasse la prochaine anecdote, le Valfort, j'ai vu ta question sur la religion. Donc, dès que Fanny a fini les anecdotes. Tu pourras me la répéter parce que moi je l'ai pas vu. Donc c'est le Valfort qui demandait comment fonctionne la religion en rapport à l'objectif. Bah, si tu veux, vas-y, moi je reprends l'anecdote après. Ok. Le jeu intègre les principales religions qui sont... Donc ici, il va y avoir qu'une partie parce qu'il y aura uniquement celles qui sont présentes actuellement, en tout cas au début. Mais dans le jeu qui se passe durant l'époque
l'époque médiévale, il y a également les religions germaniques, toute une série de religions qui sont aujourd'hui disparues. Alors chaque religion va être traitée un petit peu avec ses propres règles, mais souvent il y a des points communs, qui est que tu as ou non une autorité. Ça, c'est déjà un premier point qui permet d'en différencier. Donc pour les catholiques, typiquement, bah, ils ont le pape. Si on va chercher, je sais même pas si on pourra voir en tant que. Non, je peux pas voir le même panneau pour les protestants. Mais... Donc certaines religions vont avoir une autorité, d'autres vont avoir des règles spécifiques sur le clergé. Par exemple, est-ce que le clergé peut ou non hériter de terre, est-ce que le clergé peut appeler à la guerre, appeler à faire des guerres saintes, voilà, toute une série de différents facteurs. Et tu peux te convertir toi personnellement, vu que le jeu distingue les personnes des populations. Tu peux également te convertir secrètement à la religion. Tu peux créer une secte pour essayer de convertir les gens secrètement à la religion. Donc tu peux essayer de faire un antrisme, pour, vu qu'on a expliqué ce que c'est, un antrisme cathare par exemple dans toute l'Europe, et puis hop, convertir toute l'Europe à la religion. Et donc spécifiquement pour l'objectif 666, l'autorité dans le catholicisme c'est le pape, mais il y a moyen de créer un antipape. Donc il faut avoir un évêque suffisamment... Ah, attends, j'ai été déco de la... Enfin, j'ai été déco de la partie. Ah, c'est ennuyant, parce que c'est toi qui... Non, c'est pas moi qui host, c'est Alto. Mon chat a redémarré mon PC. Ah. Donc, oui, il vient de le mettre dans le chat. Donc le chat, ouais, effectivement. Alto a redémarré son PC. Voilà, voilà. Bon, c'est bien, ça laisse du temps pour expliquer le fonctionnement, donc je vais juste sauvegarder au cas où. Donc le... C'est vraiment un stream hyper bien préparé, en tout cas, j'espère que vous aurez noté notre... Ah ben... Hey, moi j'ai préparé mes anecdotes. Ah oui, parce que là le problème c'est pas la préparation, le problème c'est le chat. Voilà, les imprévus, le chat, c'est un bastard. Comment un chat peut redémarrer un ordi? Il doit vraiment être très très... Bah, je sais pas, marcher sur la multiprise, je vois que ça. Ah, ça, mais c'est du chabotage tout à fait, Bolshyperion, bravo. Elle est très très bien. Chanarchie, évidemment, Caserio. Du coup, oui, pardon. Eh bien, nous allons... Je sais pas si il s'est relancé assez vite. Non, pas encore. Bah, continue, et puis de toute façon, il nous dira quand il sera là. Je laisse juste, je cherche pour avoir l'écran de jeu en fond. Oui, le but c'est de créer un antipape. En fait, on va donc nommer un évêque suffisamment reconnu comme étant le pape, le vrai pape légitime à la place du pape qui est reconnu lui, et essayer de lui faire gagner le plus de légitimité possible. Éventuellement par les armes, hein, pour au final que lui devienne le seul pape reconnu. Sachant que dans le jeu comme dans la réalité, il peut y avoir plusieurs antipapes en même temps. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans les anecdotes que Fanny a préparées, mais sachez qu'il y a eu plusieurs moments où il y a eu plusieurs papes, notamment il y a eu un moment trois papes différents durant le Moyen-Âge. Alors j'ai plus du tout, vu que c'était pas dans ce que j'ai préparé, j'ai plus du tout les années en tête, mais ça peut se retrouver assez. C'est pendant la guerre de 100 ans, me semble-t-il. Toujours. Oui, effectivement. Ouais, c'est donc fin 14e, début 15e. Donc il y a eu plusieurs papes qui ont été nommés, parce que évidemment, ça avait à chaque fois un. C'était pas uniquement pour le plaisir de nommer un pape, hein, ça avait à chaque fois un intérêt politique d'avoir l'autorité religieuse de son côté. Et donc, quand elle n'est pas de son côté, bah, on en fait une nouvelle. Les Anglais ont essayé une variante, hein, de du coup créer carrément une variante de la religion quand le pape devenait trop ennuyant. Ce qui peut fonctionner en soi. Dans le jeu également, c'est un des nombreux mécanismes qui est reproduit. On peut créer des antipapes. Et or, pour les autres religions, en fonction des règles, on peut. Appeler par exemple, ou non à des guerres saintes, on peut créer des sociétés secrètes. Pour la religion germanique, on peut faire des sacrifices aux dieux. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une série de petits mécanismes qui dépendent de chaque religion. Et on peut également jouer des pays de religion juive. De tête, dans le début standard du jeu, il y a un comté perdu en Afrique.
Non, c'est les Khazars qui sont juifs. Ça, c'est pour le départ dans les années 1000. Mais Non, ensuite. c'est en 800 Ah, et 1000. quelques les Khazars, parce que j'ai fait une partie avec les Khazars, où justement, qui sont donc un peuple nomade au nord de la mer Caspienne, qui historiquement sont un peuple de commerçants, en fait, et en gros, qui sont convertis au judaïsme, parce que d'un côté, ils avaient les Perses musulmans, de l'autre côté, ils avaient l'Empire byzantin orthodoxe, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, pour fâcher personne et faire du commerce avec tout le monde, on va se convertir au judaïsme. Et donc voilà, c'est le seul le les seuls jeux jouables, il me semble. Sachant évidemment aussi que il y a moyen de. Donc il y a un éditeur. Et si vous voulez à tout prix jouer une personne, je sais pas moi, de culture, kazakh, de religion, aztèque, qui commence à partir en Irlande, voilà, il y a moyen de le faire. Ou d'essayer de respecter l'histoire, sachant que c'est sans doute un des objectifs qui est le plus compliqué. Dans le jeu, c'est de respecter un peu l'histoire parce que très vite les parties vont ressembler plus à rien. D'ailleurs, en fait, comme on est un peu en pause technique en attendant leur tour, je peux vous montrer certaines de mes. Ah non, parce qu'il faut que je vais juste recharger sans le mode pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler rapidement une carte. Donc en départ classique et puis qui très rapidement ne ressemble plus à rien. Ne vous étonnez pas, vous allez avoir un. Petit écran noir pendant quelques secondes, le temps que je relance le jeu. Voilà. Donc, bah c'est bien, le stream change d'objectif. Présentation de Crusader Kings 2. Les aléas du direct, on adore. Je peux encore vous parler, hein, si de... j'ai plein d'anecdotes si tu veux. Hein. Ah bah tu peux en faire une Non, c'est bon. le temps que ça charge, je t'en prie. Ok, je voulais vous parler du travail des femmes, en fait, au Moyen Âge. On voit que, alors du coup, si tu veux rajouter des choses après, comment tu t'appelles dans le jeu déjà, Stefano, n'hésite pas. Mais Vas-y. j'ai vu qu'il y avait une grande disparité dans le travail des femmes, surtout entre le sud et le nord de la France, parce que dans le sud, vu que c'est le droit romain qui domine, la femme, elle ne peut pas devenir maître artisan. Alors que dans les pays du nord de l'Europe, comme la France, la Flandre, l'Allemagne ou l'Angleterre, il y a des métiers qui autorisent les femmes à faire leur apprentissage et donc à accéder à la maîtrise. C'est comme ça qu'au milieu du XVe siècle, on voit qu'à Strasbourg, il y a des femmes qui sont inscrites dans les métiers de forgeron, tonnelier, voiturier, orfèvre, etc. À Londres, ce sont les femmes qui tiennent l'industrie de la bière, mais totalement en fait, même les hommes en sont quasiment exclus. Et à Francfort, au XIIIe siècle, on voit que les femmes intègrent au moins 65 professions, dont certaines comme dans des secteurs publics, comme gardienne de tour, jardinière ou quoi. Mais par contre, et ça malheureusement c'est quasiment encore le cas aujourd'hui, il y a quand même une inégalité salariale parce que le salaire des femmes reste largement inférieur à ceux des hommes. Parce qu'on dit souvent, oui, bah, les femmes ne travaillaient pas au Moyen-Âge, étaient que à la cuisine. Mais en fait, c'est vachement plus à partir de la Renaissance qu'on a empêché plein de femmes de faire des métiers. Voilà. Stéphanos, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, juste avant que Karen nous présente sa partie, un début de partie. Ouais, effectivement, je vais pas rentrer dans les détails, mais je ne peux que vous inviter encore une fois. Je spam avec ce livre et pourquoi qui me l'a prêté. Le bouquin de Silvia Federici qui s'appelle Caliban et la sorcière et qui explique vraiment que justement toute cette évolution du statut économique, politique, etc., des femmes entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, avec la naissance du capitalisme, de l'impérialisme et le renforcement du patriarcat qui s'entremêlent pour renforcer l'emprise sur les femmes. Mais notamment, on peut dire que les femmes étaient effectivement très nombreuses dans les métiers de bouche, donc c'est-à-dire, bah, comme tu dis, brasseuses, tenancières d'auberge, etc., bouchère, boulangère, etc., parce que c'est quand même lié au fait à la fonction centrale des femmes dans nos sociétés, qui est de reproduire la force de travail, c'est-à-dire à la fois de produire des enfants et de nourrir les travailleurs qui produisent de la valeur. Et donc, en les nourrissant, en leur donnant de la bière, en les accueillant dans des auberges, etc. Et puis, évidemment, la prostitution, qui était quand même un métier bon, globalement réservé aux femmes au Moyen-Âge, assez logiquement, et qui était un truc vraiment très très important économiquement.
Voilà. Merci. Voilà, vas-y Karl, présente-nous. En attendant que si un jour Alors. Alto revienne. Oui, bah, on espère. Donc, pour que vous voyez, ça c'est bah, c'est le départ que moi je préfère. C'est celui qui est le plus tôt en 769. Et donc, on peut à partir de cette carte prendre n'importe quelle. Donc, si on veut jouer un conte tibétain, on peut. Voilà. Que je ne connais pas du tout, parce que je ne connais pas du tout l'histoire de cette région, mais c'est possible. Et la carte est assez détaillée, sauf quand on va par exemple dans les zones comme ici, on peut voir qu'il y a parfois des comtés qui sont quand même très disproportionnés. Donc ça c'est la situation de départ. Les situations de départ sont historiques, il y a différents signets. On peut voir en 800, en 936. Et donc là les situations sont globalement le plus historique possible. Et très vite, après, ça ne ressemble plus à rien. Tout simplement parce que ben, non seulement le joueur ou la joueuse fait des actions qui seront sans doute pas dans la droite ligne de l'histoire, mais tous les autres pays sont aussi simulés par le jeu. Pour vous donner une idée, une des parties dans laquelle je suis pour l'instant, c'est avec Venise. Donc j'ai commencé en 769 sur une carte historique. Là, nous sommes dans les années 1000. Nous sommes même voilà, en 1036 exactement. Et bon, vous pouvez déjà voir ici que ça ressemble pas. On va rentrer dans la partie pour que vous compreniez un peu plus à quel point c'est parti en cacahuète. Donc, voilà, royaume indépendant. Voilà la carte en 1036 dans ma partie. Ça, voilà, si jamais vous avez un peu une idée de ce à quoi ça ressemblait, bah, pas à ça. Globalement, il y a l'Aquitaine qui a pris une place assez démesurée. Donc, tout le sud de la France, la Catalogne. L'Angleterre qui commence péniblement à se former. L'Irlande qui envahit l'Angleterre. Hein. Après tout, pourquoi pas? Ça fait un petit retour d'ascenseur. Par contre, il y a parfois des situations qui sont ironiquement proches de l'histoire. Typiquement, on a eu une croisade qui a été lancée pour prendre Constantinople. Voilà, alors c'est plutôt que dans la réalité, mais sachez que c'est arrivé. Donc les croisades qui sont à la base prévues pour aller reprendre, enfin aller prendre plutôt Jérusalem et ce qui était appelé la Terre Sainte. Globalement ici, les territoires palestiniens aux dynasties, c'était d'abord arabes puis turcs. Ben en fait après le but a été un petit peu, voilà, ça a changé et notamment il y en a une qui a été détournée pour prendre Constantinople, donc tenue par des chrétiens, hors d'Orient certes, mais ça reste des chrétiens, et qui a d'ailleurs mis un bon bordel dans la région. Ici, c'est globalement d'ailleurs ce qui s'est passé en jeu. Donc Constantinople est tombée, l'empire du coup byzantin, enfin l'empire romain d'Orient s'est totalement effondré. Et là, c'est l'Épire qui essaye de recoller un petit peu les morceaux vaille que vaille. Évidemment, c'est toujours l'aspect le plus intéressant. En tant que joueur ici à Venise, bah, voilà, j'en ai profité pour un peu mettre une zone de sécurité. On va dire autour de mon île pour être sûr de ne pas être envahi. Bon, on Ce qui pourrait est très aussi. historique aussi, ça, le fait d'aller que Venise aille s'étendre dans toute l'Adriatique et au nord de l'Italie pour assurer la sécurité de. Oui. Et re tout le monde. Ah. Ah. Toutes mes excuses, mon chat fera son autocritique. Incessamment sous peu. Alors, Goulag! on aimerait quand même bien savoir comment techniquement ton chat a fait. Et bah, comme j'ai pas de place sur mon bureau, mon ordinateur en fait est posé sur le sol. Et mon chat posé sur le sol sous mon bureau. Ne faites pas ça chez vous, parce que vaut mieux pas. Parce que pour le dos, c'est très mauvais. Et en fait, il est juste monté sur la tour. Et quand j'ai essayé de le virer, il a marché sur le bouton de redémarrage de force. D'accord. Voilà. Bon, ben. Par contre, Karl, je pense qu'il va falloir que tu relances ton jeu parce que Oui. les jeux paradoxes sont complètement cons. Et en fait, quand vous entrez dans le menu multijoueur et que vous en ressortez,
Le menu multijoueur n'est plus accessible, il faut redémarrer son jeu. Voilà, merci, merci Paradox Interactive, vous faites des super jeux, par contre vous faites des interfaces complètement pétées, donc s'il vous plaît, alors, arrêtez. Alors ça dépend des jeux, il y en a qui sont encore pires. Il me semble que sur Europa Universalis, quand on quitte une partie, le jeu se lance automatiquement. Ah. Quand on quitte une partie, oui, n'importe quelle partie. Ouais, on peut pas faire de retour à l'écran au menu principal dans Europa Universalis, tout à fait. C'est voilà. La game host vous fait rejoindre. Oui, j'arrive. Donc voilà les camarades de Paradox Interactive, ça et les DLC, arrêtez. Faut pas faire ça. Mais sinon, mon chat ne peut pas rejoindre la grève. Il est trop dangereux. Il est considéré comme une arme par destination. Il va redémarrer l'Elysée, ça va être gênant. Personne ne veut qu'il redémarre Jacques Chirac. Ah, ça c'est sûr, oui. On a perdu Fanny ? Non, j'étais juste pour faire un petit thé. Voilà. Oh. Donc, sur cette intervalle alors, technique de présentation du jeu, chez hein, Division 18, non, jusqu'à quelle année va ce jeu ? Avec tous les DLC, il est possible de faire 768, 1477 sur la version normale. Et là, sur le mode, je n'en ai aucune idée. Je suis allé jusqu'à 2060 pendant les tests. Mais sachant que j'ai coupé juste à 2060 parce qu'au bout d'un moment. Et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de modes pour outre les DLC. Fanny, tu peux rejoindre. Outre les DLC officiels. Je ne regarde pas la partie, je vous écoute, c'est pas grave. D'accord. et notamment un mode japonais qui s'appelle. Enfin, avec le Japon qui s'appelle Nova Yaponae Monumenta, je sais pas quoi, un nom un peu. En mauvais latin, qui dit, enfin où en fait vous jouez le Japon médiéval. Oh trop cool. Et c'est plutôt stylé. Faites juste attention voilà. Avec les mods parce que certains mods comme ça de modification de cartes peuvent être assez lourds pour vos machines parce que c'est des gens qui font les cartes et par conséquent qui ont tendance à mettre énormément de tétalisation et ça peut devenir très attends lourd. Attends. Karl, voilà, ne prends pas la France, s'il te plaît. Ah oui, non, par contre, mets-toi prêt. Ce serait gênant. Et encore une fois, toutes mes excuses. Hein. Des attentes particulières pour CK3, oui, qui remettent l'intégralité des DLC dans CK3, ou au moins la grande majorité des DLC les plus utiles, parce qu'au bout d'un moment, on a... Enfin, si CK2 est aussi bon, c'est parce que les DLC ont ajouté énormément de choses, et il y a des mécaniques de jeu qui, pour l'instant, ne sont pas annoncées, comme par exemple les ordres saints, etc., qui vraiment manqueraient si jamais... Ah bah, on revient au 1er janvier, où je suis en train de t'engueuler, Toto. Et ben voilà, l'histoire se répète, super, super. Voilà, on va relancer la partie. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un don de 50 euros pour que j'explique mon ad Twitter ou pas? Que tu je sais pas, je crois pas, non. Mon ad Twitter, ça a été un jeu parce que je voulais faire... Après, les 50, on a déjà dépassé depuis un moment. Hein. Ouais, mais là, c'était les 50 supplémentaires, voilà. Non. Ah. Juste pour répondre à quelqu'un qui demandait des attentes particulières pour Crusader Kings 3, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas vu, mais... Oui, mais c'est bon, c'est pas la peine de venir me le redemander une deuxième fois. De m'excuser, je me suis déjà excusé. Je me suis déjà pas excusé une fois, je vais pas me non-excuser une deuxième fois. Je m'en fous, je te dérange. Et moi j'attends les monastères. En fait, pour moi, le gros manque de Crusader Kings 2, c'est les monastères qui n'existent pas en tant que tels. Et quand on sait le poids qu'ont joué les monastères dans le monde chrétien, mais pas que chez les chrétiens. Hein, par exemple, on a aussi le Tibet. Les monastères sont hyper importants au Tibet. Donc, en termes d'organisation du territoire économique, etc., ou les couvents soufis dans le monde musulman, etc. Donc, je trouve que ce serait un super ajout de créer des ordres monastiques. Enfin, les ordres monastiques existent déjà, mais de créer des bâtiments monastères que tu peux upgrader, comme tu peux le faire déjà avec par exemple, les hôpitaux, avec les comptoirs commerciaux, etc. etc. Peut-être les batailles navales aussi, parce qu'en vrai, sur CK2, les flottes ne servent qu'au déplacement des troupes. ce qui fait qu'on se retrouve des fois avec des flottes de plus de 300 navires, et on ne sait pas du tout quoi en faire, parce que 300 navires, il faut multiplier. La capacité d'emport d'un navire, c'est 1000. Non, c'est 1000.
Je crois que c'est 100. Non, t'as peut-être raison, oui. C'est 100. 100 Par 100, plutôt, oui. donc personne n'a des armées comme ça à déplacer. Et quand on surtout, envahit il une y a ville. parfois, genre, sur une même zone navale, deux flottes de 300 navires ennemis qui se croisent et qui se disent bonjour. Ouais. Salut! Et par exemple, tu peux pas faire de blocus du coup quand on sait que ça a été C'est ça. des. Voilà, et les blocus, c'est important. Faites des blocus, camarades lycéens et lycéennes, faites des blocus. Mais les blocus navaux, ça a été très. Naval. Naval, oui, si, ça marche pas. Les blocus navals, c'était très important au Moyen-Âge. Il y a quand même un certain nombre de batailles qui se sont résolues. T'es Never sûr? forget la bataille de l'Écluse, où pendant la guerre de Cent Ans, où les navires français se sont enchaînés devant l'entrée du port de l'Écluse en Flandre. Et j'ai une Et anecdote à ce sujet d'ailleurs, si vous voulez. Et ben, très bien. Parce qu'en Vas-y. fait, justement, pour bloquer les villes et tout ça, en fait, en septembre 1226, il me semble que c'est 26, mais normalement c'est ça, Avignon a été assiégé pendant 3 mois par les armées du roi de France. Louis VIII lors de la croisade contre les Albigeois. Et donc, au bout de 3 mois, le roi de France a gagné. Et alors, en fait, ça va vraiment coûter super cher à la ville parce que déjà, donc, Avignon est contrainte de démolir ses remparts et 300 maisons qui étaient munies de tours et de combler tous les fossés. Et elle doit rester dans cet état pendant 5 ans. Elle doit financer l'entretien de 30 chevaliers en Terre Sainte pendant 3 ans. Elle doit payer 6000 marques d'argent au roi, elle doit lui céder l'ensemble de son arsenal et verser 1000 autres marques d'argent au nouvel évêque de la ville. Et les Avignonnais sont tenus de prêter main forte au roi pour la construction du fort Saint-André qui est à Villeneuve-les-Avignon. Donc effectivement, si on résiste mal, eh ben ça peut coûter très très cher au Moyen-Âge. Bah, Voilà. notamment dans les villes, en fait, c'est-à-dire que par exemple, ce que tu disais au début, détruire les remparts, combler les fossés, etc., c'est un truc très très courant qu'on demande aux rois au Moyen Âge enfin que les rois ou les empereurs demandent aux cités au Moyen Âge pour garantir en fait qu'il y aura plus d'autonomie de la ville, le fossé, la muraille, etc. C'est des symboles de l'autonomie urbaine. Et par exemple, quand en 1158, l'empereur Frédéric Ier Barberousse conquiert Milan, qui était en révolte, allié avec une coalition d'autres villes italiennes qui sont autour de Milan et qui n'aimaient pas la domination de Milan sur la région, ils font détruire les portes. Et en fait, chaque ville, j'adore cette histoire, chaque ville autour détruit sa porte. Genre, les habitants de Bergame détruisent la porte de Bergame à Milan, les habitants de Lodi détruisent la porte de Lodi, etc. Pour montrer, c'est par là que vous passiez pour aller nous envahir et récupérer des impôts. Et ben maintenant, on détruit nous-mêmes la partie de muraille qui était faite pour nous oppresser et pour vous protéger de nous. Donc voilà, les destructions de murailles, c'est un grand classique au Moyen-Âge. Voilà. Moyenâgeux, pardon. Qui a dit moyenâgeux? Qui Attention, a dit attention, moyenâgeux? ce terme n'est pas autorisé. Ouais, moi j'ai dit au Moyen-Âge, hein, j'ai pas dit Moyen-Âge, c'est un très clair. Désolé si c'est mal passé, Ah, évidemment. par contre, mauvaise C'est ça, nouvelle, ouais. encore une croisade qui a été victorieuse. Donc, ah oui, c'est la Turquie qui est devenue berbère et catholique. D'accord. Voilà, Et je les ne sais Ayyoubides pourquoi sont pas. revenus, les Ayyoubides, donc la dynastie de Saladin. Ils sont revenus où? Ils sont revenus en Mésopotamie. Ben, je les vois pas moi. Attends, tu les vois où? Parce que moi j'ai juste Timouride. Entre la Turquie et les Timourides. Ah oui. Ah ben oui. Le Beyler Bey Hafez Ayyoubide de Mésopotamie. Effectivement. Voilà. Et Alors, ouais, les Timourides d'ailleurs, c'est impressionnant. oui, donc c'est effectivement, c'est un Crusader King est un bon jeu pour réviser les mécaniques de l'histoire. Par contre, sur les situations que ça produit, c'est souvent juste des foires. Ce qui d'ailleurs fait une partie de l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut avoir des situations, bah ici, comme un berbère catholique à la tête de la Turquie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pendant ce temps-là, le gouvernement continue de s'arroger des droits en dehors des considérations du Conseil. Ouais, mais moi, le problème, c'est que je suis toujours mineur.
Mais c'est vrai que du coup, notre stratégie pour l'instant est assez peu payante, hein. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ah bah là, je pense qu'on pourrait même réclamer des places au conseil et tenter de forcer des votes. Alors, je C'est vrai que pense si on y que est tous les c'est. trois, ça peut être. Je pense que c'est un changement de stratégie qui peut valoir le coup. Ah, Est-ce sauf qu'on tente que je ça? n'ai pas de. Je n'ai pas de moyen de demander. On peut pas demander des places au conseil. Il faut avoir un. Comment? Un levier sur lui. Ouais, une faveur. Oui, Ouais, c'est parce qu'il y a ça. tout un système de faveurs dans le jeu qui a été apporté par un DLC d'ailleurs, qui fait Une mise à jour que accompagnant de DLC. du coup on peut obliger quelqu'un à faire quelque chose en échange d'une faveur. Bah moi voilà, il me propose donc. C'est là que je trahis. Je suis désolé, cher camarade, mais T'as été dans une proposé au logique, conseil? Lambertiste, Renaud le Confesseur m'a proposé d'entrer au conseil et j'ai accepté. Je suis devenu conseiller. Je Et suis le régent je destiné suis de donc à la tête France. de la faction, à moi tout seul. Parce que du coup, je ne peux plus être dans la faction. Mais donc, du coup, je suis régent de France et conseiller. Ah, régent, c'est pas mal. C'est-à-dire que s'il meurt, l'empereur, c'est moi qui vais diriger. Qui va avoir la réalité du pouvoir. Pas mal. Ouais. Donc, évidemment, ceci n'engage que ma fédération et pas l'intégralité de la fédération Sud. Je pense que d'ailleurs que je vais me faire bannir de Sud Ah bon, vous avez des scissions pour chez avoir vous? fait ça. Bah, Non. d'habitude, non, parce qu'on n'est pas suffisamment con pour faire ça, pour aller. Moi, j'ai jamais entendu parler de scissions dans les parties de gauche. Hein. Non, moi non plus. J'ai entendu parler de pique à glace, mais j'ai pas entendu parler de scission. Ah, et mon petit frère qui est mort dans des circonstances suspectes. J'ai quand même vaguement l'impression que. Ça alors. On dirait un Ah, mérovingien. incroyable! Alors moi je sais pas, il y a quelqu'un qui essaye de tuer notre fils, mon Ben cher. c'est pas moi, je tiens à le dire, c'est pas moi, mais il a Non, bien tu peux raison, pas, tu n'as j'espère pas qu'il la va possibilité réussir. de tuer notre fils. Oui, on n'a pas le droit de tuer ses enfants dans Crusader Kings. Et pas parce que c'est moral, juste parce que ce serait trop facile en termes Alors personne n'a de confiance en toi, gameplay. hein. On te traite de social traître, tu embrasses le conseil, Laurent Berger intensifies, le pouvoir va le corrompre. Personne n'a confiance en toi. Mais ils ont tout à fait raison d'ailleurs. Moi-même, j'ai absolument pas confiance en moi. Hein. C'est une tentative. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je dois vous avouer que c'est pas très concluant parce qu'il me demande pas tellement mon avis. Ah. Donc je bah, ça marche pas des masses en fait. Je crois le réformisme. C'est pas Spoiler mal. alerte, le réformisme ça marche pas très très bien. Bah et d'autant que si jamais on me propose pas non plus, tu es sans doute en position minoritaire, fais voir la tête du conseil. Ouais, en plus ils doivent tous des faveurs à quelqu'un. Ils sont tous en train de répondre à la faveur de. Bah de l'empereur, voilà. À la faveur de l'automne, non, c'est ça. Par contre, toi, Mais tu es je classé suis. comme mécontent, Ouais, je comme me suis conseil. classé, puisqu'en fait, dans le conseil de son seigneur, on peut choisir un positionnement, si vous voulez. Donc, on peut être loyaliste, pragmatique, chercheur de gloire, fanatique ou mécontent. Et donc, Pragmatique. moi, évidemment, je suis l'aile gauche d'LREM. Je suis dans le conseil, mais mécontent. Voilà, je pense que c'est important de montrer mon désaccord avec la Ah, politique on du m'a dit gouvernement. effectivement que cette aile gauche existait. Tout en allant Maréchal manger la soupe, si tu veux. Je suis LREM critique. J'ai cherché quelqu'un de gauche à LREM et j'ai même pour faire la blague et j'ai même pas trouvé. Alors Elle effectivement, a c'est dit un peu qu'elle était mal. de gauche, hein. Elle a dit, oh mais je suis de gauche. Vous savez, Ah bon moi bah je si viens elle de l'a la dit gauche. alors. Je viens de la gauche et je ne comprends pas que les gens Et critiquent LREM. par tous les chemins tu y reviens, c'est ça? C'est ça. Et alors, Iso Kamaru qui dans le chat donne un bon conseil. Alors effectivement, on ne peut pas tuer soi-même nos enfants. Maintenant, rien n'empêche un joueur allié C'est d'aller vrai. essayer C'est vrai. Mais d'assassiner les c'est une enfants des autres. solution. Une autre solution que j'aime beaucoup, c'est de lui filer 10 hommes, Ah oui. une flotte, Oui. et de l'envoyer sur une île hostile. Voilà.
Ça marche oui, bien. Tout à fait, ça marche globalement pas mal. Bon, par contre, vous saurez que, triste nouvelle, mon fils Molotov a la grippe. J'espère qu'il va s'en sortir. Hein. Attends, on a un fils Molotov? Non, moi, ah, c'est dans mes fils illégitimes, enfin, que j'ai légitimé, mais... Alors moi, j'ai la grippe aussi, mais je suis quand même là, donc il pourrait faire un effort quand même. Oui, ah bah, Molotov est là, il est chaud. Ah. Un peu trop, c'est ça? Plus chaud que le lacrymo? Plus chaud que la lacrymo, tout à fait. Plus chaud que le chat? Oh. Alors, Eudes de Lucolib me demande une faveur. Alors, Eudes de Lucolib... Ah bien, il est au conseil, Eudes de Lucolib. Quoi? Putain, lui aussi, il a trahi. Je crois. Je regarde, il est au conseil Lige. Ouais, il est chancelier et il est chercheur de gloire. Eh ben non, tu as trahi. De toute façon, il est mort. Voilà. Vous voyez, être au conseil, ça apporte rien de bon. Alors, si vous vous demandez un peu notre stratégie pour l'instant, c'est clairement de se consolider. Ouais, typiquement, parce que, là, je suis en train de... On n'a pas assez massifié, vous voyez. Ouais, je suis en train de faire des bourgs, donc le bâtiment qui permet d'avoir des rentrées pour avoir de l'argent. Parce que globalement, le jeu est quand même très dépendant d'avoir des ressources financières suffisantes pour faire des bâtiments, pour recruter une armée, pour faire des complots. Moi, je suis en train d'améliorer tous les aspects militaires aussi chez moi, donc tous les bâtiments militaires, mais c'est vrai que ça prend fort longtemps. Et coucou Maf Level qui vient de se lever. Et qui est chaud, et moi j'aime bien ça. Ça a Géchant, Lucolib, bah ouais, ça a Géchant, effectivement. D'ailleurs, je sais pas si les gens dans le chat savent ce que c'est Lucolib dans le vrai monde, parce que c'est quand même une orga qui est assez récente. Donc, Je te coupe priorité au direct. Allez, merci à Rudloff pour les 5 euros. Merci. Merci beaucoup. Ah mais les Timurides, ils sont bien relas. Hein, Ouais. Ah oui. D'ailleurs, les États-Unis ont pris une partie de la Libye. Voilà, rip la Russie, soit dit en passant. Ah, ouais, ouais, petit ange parti trop tôt. Ils sont. Mais par qui? Alors, ils ont implosé. Donc le Kazakhstan a pris une bonne partie. Les Bulgares, la Mordovie, la Tchérémis et tout un tas de petits comtés. Oh le bazar. Voilà. Mais de vos religions païennes. Pourquoi qui? J'ai pas entendu les questions. Ah, parce que je voyais que... Ouais. Alors, un petit avis, peu en Algérie. Ils ont dû... Ce qui a dû se passer, c'est que l'Espagne et l'Italie ont fait des croisades pour prendre l'Algérie, et puis le Maroc a déclenché une guerre sainte pour essayer de le reprendre, et donc là, ils se partagent un peu... Alors attendez, je voudrais faire un petit point Normandie, là, parce que c'est catastrophique ce qui se passe. Donc Lucolib a disparu. Ah, oh. Alors, je crois pas qu'ils aient disparu, mais en tout cas, ils sont plus au pouvoir, effectivement. Et l'héritier est de la ZFDT. Oh. Oh, c'est rude. Bon, en fait, on est vraiment en train de faire une dystopie où la CGT et Sud sont en train et Lutte Ouvrière sont en train de perdre face à l'alliance Macron-CFDT. C'est assez terrifiant. Non, mais vous inquiétez pas, je suis en train d'essayer de ramener la Normandie dans le giron... Si tu veux, on peut. Bah, tu vas me tromper combien de fois exactement? Parce que j'arrête pas d'avoir des messages. J'ai arrêté. Je crois qu'elle est morte en plus, mon amante. je crois qu'elle est morte. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle a 41 ans. Mais bon, allez, si tu veux, voilà. Je le fonds en larmes, j'avoue, et je demande pardon. Il nous reste 20 minutes. Les yeux dans les yeux. Envoyer à l'Angleterre, hein, je vous préviens. Mais on n'a toujours pas de bateau, parce que... Alors, pourquoi on n'a pas de bateau? Parce que, en fait, le mode commence avec les... Technologies au minimum. Technologies au minimum, et par conséquent, on n'a pas la technologie. On n'a tout simplement pas la technologie pour construire des bateaux. Donc vous avez promis des choses que vous n'allez pas faire. Mais on va les tenir, on va les tenir si on revient, si les gens veulent qu'on revienne. En fait, on a promis des choses qu'on ne peut pas tenir, et du coup, on fait croire aux gens qu'on va réussir à les tenir. Réalisez-nous. On a besoin d'un autre mandat. Voilà, vous voyez, on peut faire nos preuves, mais il nous faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Je pense que c'est important de le rappeler. Parce que là, effectivement, on a... Donc moi, je vais pouvoir bientôt, dans un an, je vais pouvoir de nouveau rejoindre des factions.
Ça, ça me plaît, ça. Et peut-être. Et ben, ouais, moi, j'étais. Vous voyez que moi, j'étais au conseil. Et malgré tout, la loi d'emprisonnement a tout de même été. La loi d'emprisonnement pour le souverain a quand même été votée. Donc, j'assume l'entière responsabilité, évidemment, de cet échec. Et décide de me retirer du conseil. Alors, comment on fait pour se retirer du conseil? Conseil lige. Comment je fais? Tu cliques droit sur ton. Sur le vassal. Ah ouais, si, c'est ça, ouais, c'est bon. Faut aller voir le seigneur, se démettre du conseil, voilà. Allez, au revoir Renaud. Alors, j'ai une anecdote, si vous voulez. Très bien. Parce que vu qu'on avance. Alors, c'est une anecdote que j'ai lue sur le blog Actuel Moyen-Âge, que je vous conseille vraiment, vraiment, si vous voulez en savoir plus sur le Moyen-Âge. Et par exemple, ils font plein de comparaisons avec des situations d'aujourd'hui, notamment avec la grève. C'est un peu l'organisation des esprits, hein. On est en 1191, voilà. Et Richard Cœur de Lion, qui était en route pour aider le royaume de Jérusalem, qui était menacé par Saladin pendant la troisième croisade, en fait, il, par hasard, comme ça, Richard Cœur de Lion, qui est donc roi d'Angleterre, il conquiert l'île de Chypre, parce que pourquoi pas. Et en fait, pour soumettre les barons chypriotes, il leur fait raser la barbe. Et alors, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, c'est un marqueur assez identitaire, en fait, déjà à l'époque, la barbe, parce que ça symbolise de l'appartenance à un groupe. Et en fait, on oppose vraiment les latins qui sont réputés pour être plutôt glabres, et la barbe qui est associée à l'Orient. On voit avec les Byzantins qui ont la barbe et tout ça. Donc en fait, pour les Orientaux, la barbe, c'est vraiment un signe d'honneur. Par exemple, les Arméniens jurent sur leur barbe. Donc voilà, si vous voulez, ça fait un peu penser à Samson aussi, si vous voulez enlever l'honneur, raser quelqu'un. Ouais, déclarer la guerre au Royaume-Uni. Et donc notre suzerain a décidé qu'il allait répondre à la demande du chat et à la demande de la démocratie. Vous voyez, le voisin, hein, Macron ça... vous entend. Ah, attendez, Valls. Ouais, Valls sur l'écran. Ouais. Ah là, c'est pas ma faute cette fois. Hein. Non, ça. Ah, non, c'est moi. C'est moi qui ai des micro coupures, bon. Mais j'ai aucune idée d'où ça vient. Désolé. Oh. Coucou, on est re là. Mais donc du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est son fils. Renaud Macron a décidé que le Brexit, ça allait bien 5 minutes, mais mais on va les réintégrer de force. Alors... Donc oui, effectivement, si jamais, je sais pas quand est-ce que ça s'est fait arrêter, mais nous allons envahir le Royaume-Uni à l'insu de notre plein gré. Du coup, est-ce qu'on se joint à la guerre? Ah bah oui. Ah bah, alors moi j'ai toujours pas de bateau, mais... Ah oui, c'est vrai. Je me demande si on peut pas utiliser les flottes alliées. Ah non, on peut pas utiliser les flottes alliées. Ça aussi, c'est complètement con d'ailleurs, hein, puisque au Moyen-Âge, bien sûr qu'on pouvait utiliser des flottes de ses alliés. Par exemple, Venise faisait beaucoup ça quand ils ont loué leur flotte justement pendant la quatrième croisade. C'était ça. C'était on vous loue la flotte. Et bon, par contre, c'est nous qui. Bah nous moi, qui je rejoins par principe si jamais il y a une contre-invasion anglaise. Ouais, tout à fait. Donc vous voyez ce que vous nous faites faire en donnant de l'argent pour le stream. On rejoint la guerre de notre. De notre empereur Macron. Mais ce sera pour mieux lui rentrer dans le nard après, c'est pas grave. Exactement. C'est une stratégie. Il reste 15 minutes pour envahir l'Angleterre. Allez hop, au boulot. Bah, en fait, c'est en cours, hein. on est déjà à 2%. Donc là, pour l'instant, Londres est assiégée par les troupes françaises. Ils ont détourné la croisade. Ah non, mais là, on est vraiment sur une invasion propre. Hein. D'ailleurs, contre-invasion de l'Angleterre en Normandie, j'envoie mes troupes. Eh ben, ouais, ils sont 341, c'est énorme. Wow. C'est ce qui reste du Labour. Oh. Et ça me fait mal de dire ça, mais bon. Oh, ça clash. Alors, petit point sur la couronne d'Angleterre qui est à la main. Enfin, tout le monde sait que la couronne d'Angleterre est aux mains des Windsor. Ce que les gens savent moins, c'est que les Windsor ne sont pas du tout à la tête de l'Angleterre. En réalité, le vrai nom de la dynastie régnante, c'est les Saxe-Cobourg-Gotha.
qui est une dynastie germanique, parce que de toute façon, c'est les seuls à savoir gérer ce pays. Et en fait, c'est une dynastie qui a changé de nom pendant la guerre de 14-18, parce qu'ils se sont dit peut-être que s'appeler Maison de Saxe en pleine Première Guerre mondiale, c'est pas une bonne idée. Et ils sont appelés Windsor sur un choix qui s'est porté sur un nom qui devait faire absolument anglais. Voilà. Et autre petit fun fact, la dynastie actuelle à la tête, enfin à la tête, qui sont roi et reine de Belgique, c'est également des Saxe-Coburg-Gotha. Mais bon, eux, ça va, ils ont gardé le nom parce que bon, de toute façon, c'est pas comme si. Ça sont les Allemands, ils viennent une fois sur deux, donc bon. Voilà, et quand ils viennent, une fois sur deux, c'est pour le résister, l'autre fois, c'est pour aller manger des petits fours en captivité, donc. Real CFDT vibes hein, dans les petits fours. Ouais, c'est ça. Même si c'est presque grâce à ça qu'on a failli avoir un moment une république en Belgique. Après la Seconde Guerre mondiale, donc le roi qui s'était barré en Allemagne, qui n'avait pas été très, très percutant pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un petit débat quand même sur est-ce que oui ou non il devait revenir, parce qu'à l'époque le Parti Socialiste était encore socialiste. Oh, tiens, c'est un peu comme chez vous. Et surtout être encore républicain, ce qui a changé depuis. Et donc il y a eu en Belgique un grand débat sur est-ce que oui ou non le roi revient ou est-ce qu'on n'en profiterait pas tant qu'à faire pour mettre une république à la place. Ça a fait de lourd débat. La Flandre a voté majoritairement pour le maintien du roi et donc ils sont toujours là. Enfin, les successeurs sont toujours là. Et ils servent à quoi, voilà. les Attends, priorité au direct, ça y est, la France a gagné. Par contre, en fait, ils ont juste changé le roi. Donc en fait, on n'a même pas envahi l'Angleterre, on a juste changé le roi d'Angleterre. Quelle indignité.gif. Hein. C'est extrêmement décevant. Mm-hmm. Ah non, on a juste filé le Hampshire à un gars. C'est nul comme guerre. Ouais, tout à fait. Qui est le gars qui a récupéré les Hampshire? Lawrence II. Est-ce qu'il n'y a pas moyen en réalité tout d'arranger monde sait une petite succession ça peut non, il n'y a pas grand monde. Et pour répondre à ta question, Fanny, ils servent à faire des jolis profils sur les pièces de monnaie et à être un réservoir de blagues assez intéressant. Et alors, légalement, ils ont encore quelques pouvoirs symboliques. C'est toujours officiellement le roi qui nomme le gouvernement et autre comme chose. En Angleterre, hein. Voilà, maintenant, là où il y a réellement un problème, c'est que c'est du coup le palais royal. Donc le roi, prend la responsabilité de nommer les gens qui vont par exemple former le gouvernement. Même si en sous-main, il y a les partis qui derrière font des tractations et tout ça, mais ça fait qu'il y a une façade du roi qui permet aux partis en fait de juste bien déléguer leurs responsabilités. Donc voilà, outre le fait qu'une monarchie de base ne peut pas être un système démocratique, c'est aussi un joli paravent pour les partis. Pour éviter qu'ils s'en prennent trop. Oui, c'est ça, tout le monde se sert en fait de cette situation. Ah oui, clairement, et pour l'instant, il n'y a plus qu'un seul. En fait, le problème aussi, c'est que autant chez les francophones, il y a encore un parti qui est républicain, même si c'est pas vraiment ce qu'ils mettent en avant, mais qu'ils assument encore. Par contre, les socialistes ont totalement viré pro-monarchie. Et en Flandre, ceux qui sont les plus visibles sur la question de l'anti-monarchie, c'est surtout l'extrême droite flamande. Et là, c'est du coup très gênant parce que on n'a pas vraiment envie d'avoir le même discours que ces gens-là. Et un peu le parti de gauche radicale qui essaye maintenant d'avancer aussi côté flamand. Quelqu'un nous demande si on veut se faire emprunter les guillotines. Je dirais pas non. C'est joli. Disons que ce sont des jolis objets que j'aimerais beaucoup voir en orner Paris. En souvenir, hein, on est quand même 1789, voilà, on est en une année en 9, on devrait régulièrement, tous les 10 ans. Ah, je peux marier ma fille à l'empereur d'Espagne. Oh. Ah, évidemment, c'est... je ne le ferai pas, je vais faire que des mariages matrilinéaires. Le mariage matrilinéaire, j'ai aucune idée d'à quel point c'était historiquement réellement répandu. Alors ça existe à plusieurs fois hein, des mariages matrilinéaires. C'est pas la norme, clairement, mais ça peut arranger, notamment, en gros, si on veut donner si on n'a pas d'héritier mâle,
ça arrange de donner matrilinéairement sa fille à notamment de la noblesse plus faible et ainsi absorber une. Est-ce que autogestion de la CGT pourrait faire réclamer des pouvoirs accrus pour le Conseil? Parce que là, on est à 160%, effectivement. 160%. Ouais, c'est le moment de profiter. Donc, là, le rapport de force. Allez, est c'est bon. Parti. Ah bah, il a accepté. Il et a accepté. Bah voilà, merveilleux. Vous voyez, ça c'est la pression de la rue générale illimitée. On obtient ce qu'on veut. Et alors, est-ce qu'on peut pas recréer une faction pour redemander non, je pense qu'il faut un, il faut y a un cooldown. Moi, je pense, peux par contre. Je crois que c'est juste toi qui étais. Ah oui, c'est moi qui ai dû la créer. Renverser l'empereur. Ah, et le renverser. Bien qu'on arrive à un chiffre rond pour la cagnotte. Là, on est à 480. Ah. Ouais, effectivement. Ouais, mais si on le renverse, on a qui à la place? Non, là, c'est juste que ça va donner vraiment tout le pouvoir au conseil, ce qui validera un de nos objectifs. Effectivement. Donc, j'avance d'ailleurs sur l'objectif de la Bretagne indépendante, sachez-le, puisque je viens de remporter une guerre contre la duchesse de Bretagne et j'ai mis ma belle-sœur duchesse de Bretagne, et donc en héritière, il y a ma nièce qui est héritière du duché de Bretagne. Et moi, j'avance sur la récupération de la Normandie par un parti de gauche, hein, parce que je viens de marier matrilinéairement ma fille au duc de Normandie. Ah oui, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que ce que je peux proposer, puisque si la prochaine partie, si on revient, si ce que je peux proposer, c'est peut-être que, vu que moi, si je continue à jouer avec mon duc de Sud, je vais perdre, puisque... Bah voilà, j'ai perdu, donc bah voilà, j'étais en train de proposer ça. Donc voilà, j'ai perdu pour... Puisque je suis mort sans héritier de ma dynastie, donc j'ai fait un endgame. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Donc, c'est ça donc de jouer avec des traîtres. Donc ce que je propose, en fait, c'est que je reprenne la famille en Bretagne, justement, pour pouvoir faire l'indépendance de la Bretagne. Ah, pourquoi pas? Effectivement. C'est que... Et tu peux renommer en plus ta dynastie, il me semble. Ouais, voilà. Donc, on va demander au chat, est-ce que le chat, vous préférez qu'il reprenne, son territoire avec ma dynastie à la tête, ou est-ce que vous préférez qu'il prenne la Bretagne? Et donc là, je tiens quand même à dire qu'on est quand même sur une bonne OPA de la CGT... Non, je massifie, on m'a dit de massifier, je massifie. je tiens à préciser que Sud existe encore, hein, la dynastie Sud n'est pas morte, par contre le leader, enfin le duc de Sud est mort avec pour héritier un membre de la famille GT. C'est pour ça que j'ai perdu, mais ça veut pas dire que ma dynastie bon, le chat plus. Est majoritairement pour la Bretagne. Pour la Bretagne. Bah ouais, est-ce que clairement. Ça nous permettra du coup de mener la libération écoutez, de la Bretagne. Je viens de sauvegarder. Est-ce qu'on quitterait pas le jeu? On le relance juste le temps qu'ils prennent la Bretagne. Bah là, il reste 5 minutes, donc je sais pas si faire un rechargement est vraiment. Ouais, non. Bah, à la limite, on peut laisser là, et puis la prochaine fois, je. Si, et je, si vous voulez qu'on revienne, vous faites atteindre la cagnotte à 73 500. Donc on quitte la partie là. 20 euros, les gars. Si vous voulez qu'on revienne, il manque juste 20 euros. Moi, je vais rester, comme ça, il y a l'image de... Enfin, ouais. Écoute, on peut faire continuer, de toute façon, on peut faire continuer la partie, hein, ouais. Et comme il reprend pas le même pays... Alors, moi, je peux pas rejoindre, là, en cours de partie, mais c'est pas grave, je vous regarderai. Mais quand on aura fini le live, tu viendras, on sera en tête et on réglera ça. Tout à fait. mais donc, du coup, effectivement... Ça me semble être un bon... est-ce que tu peux passer en vue pour les vassaux, s'il te plaît? Ah oui. Parce que comme ça permettra de voir un peu ce qu'on reprendra. Donc là, et y nous y sommes 500 personnes. Bravo à vous. La CGT Sud qui, du coup, à la mort de Autogestion la Maudite... Les deux s'uniront et donc il y aura un seul territoire qui sera... Ce sera géré et donc par un seul joueur. Lani, t'as dit 20 euros si jamais ils veulent qu'on revienne, histoire qu'on atteigne 73 500, c'est ça? Mais oui. Il manque 20 euros pour qu'on soit un chiffre rond. Alors, Émile Robin,
comment avez-vous fait pour nommer tous les personnages au début de la partie? En fait, on a un DLC qui s'appelle Roller Designer et qui permet du coup de créer et d'adapter ces personnages, de transformer, de créer n'importe quel personnage, de lui donner le nom, les traits, le nom de la dynastie qu'on veut, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait, on a créé nos personnages Et merci comme ça. à Anzos pour ces 4,75 €. Merci Merci. beaucoup. 475. Pourquoi 475? Attends. Est-ce qu'il y a un lien? Ah tiens, d'ailleurs, je vais changer ma dynastie. D'ailleurs, je vais l'appeler Sud CGT maintenant. Bah oui, tout à fait. Et alors? Vince Dark qui demande la suite CGT, oui, parce que du coup la CGT a fait une OPA sur une OPA matrimoniale sur Sud et a réussi à s'emparer du pardon, a réussi à s'emparer du duché par mariage. Ouais, c'était légal. Franchement, il y a game. Hein. Et ce qui Ouais, d'ailleurs est très médiéval comme façon de faire. Hein. Récupérer des terres par oui. mariage. Voilà. Tout à fait. Et Ce alors, qui est très médiéval. sachez aussi que, donc évidemment, il y avait l'invasion classique si on voulait prendre des terres, le mariage. Et ce qui fonctionnait aussi, c'était de racheter purement et simplement des terres, un titre ou des droits. Quand on avait trop d'argent et le noble en question pas assez, ça se faisait assez régulièrement. Pas régulièrement. En tout cas, ça se faisait. Tout à fait. Pardon. Par PayPal, Tac. hein? Ah non, d'accord, c'est pour les dons. Oui, donc vous pouvez faire des dons par PayPal, si jamais. Et sinon, si vous pouvez aussi regarder des publicités via Utip. Ça, par contre, je sais pas comment ça fonctionne. Alors, il faut donc aller. Combien rapporte la publicité en fait? Ah, c'est assez peu, c'est quelques scènes par publicité, regardez. Mais là, si tous les gens du chat vont tous regarder une pub sur Utip. Ça fait quand même. Ça fera peut-être 20 euros. Enfin, Voilà. 15 Et donc, euros, allez tous 25. faire ça. Allez tous regarder une pub sur Utip. Sachant qu'on ne les verra pas apparaître, mais la cagnotte sera mise à jour, donc on verra la cagnotte qui se Oui! rapproche de l'objectif. Sinon, vous pouvez aussi. Oh, bah merci Kéops pour la République, de la justice et sans travail, et Pokémon en Bretagne. C'est. Et donc, 17 euros? Ah, j'ai par contre, Ouais, merci beaucoup. celui-là n'apparaît ouais, pas sur le site encore, mais merci beaucoup. Du coup, grâce à toi, c'est bon. ouais. On est. Merci camarade, Ouais, on du coup, revient en troisième semaine. on va revenir. Oui! Résultat, grâce à nous. Et Franchement, on merci. planchera pour les micros, histoire de que ce soit un peu mieux et de comprendre d'où viennent aussi les petites déconnexions que vous avez eues. Maintenant, bon, ça va, au moins, Ouais. vous n'avez pas Ah, donc de. quelqu'un a fait un don de 50 euros Wow, merci. sans donner Wow, son merci nom. beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Et bah pour les Trop 50 euros, cool. j'explique d'où vient le Tommy Ah oui. Defuck. Hein, C'est tout Juste simplement avant. parce que j'avais pas Pardon. d'idée que je suis haut médiéviste de formation et que je voulais faire un jeu de mots avec alto et médiéviste. Seulement, j'ai fait ça dans le train avant un cours que j'avais pas du tout envie d'avoir. Les dents de l'amphi, pour ceux qui comprendront, qui sont parmi voilà, de l'histoire médiévale. Et par conséquent, en fait, tous les jeux de mots rigolos étaient pris. Et je me suis dit, fuck, et j'ai juste mis fuck en me disant je vais changer le machin. Et en fait, j'ai jamais changé. Donc, vous avez mon TN, mon hat original. Voilà, c'est tout. C'est que j'en Eh avais ben, marre. c'est beau. Et on s'arrête le 1er janvier, voilà, en autosave. Parfait. Donc voici la situation finale. Actuellement, c'est bien, on progresse. Il faut quand même rester positif, hein. Il y a du léger progrès. Je sais pas encore trop où, mais on va le trouver. Enfin, en fait, si, comme maintenant la Bretagne va être jouée par entre nous, en fait, on augmente la surface de joueurs. Donc c'est Et que la positif, ça. Normandie va être récupérée par moi dans incessamment sous peu. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je fais des crêpes. Donc voilà, la situation actuelle, c'est que pour l'instant, la révolution avance doucement à pas feutrer, car un spectre plane sur la France. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas On a encore. remporté notre première victoire. Rappelons-le, on a remporté notre C'est première vrai. victoire. On a réussi à faire plier le gouvernement qui a cédé une partie du pouvoir au Conseil. Et grâce Donc. à vos dons, on va pouvoir revenir et on aura ce gouvernement à la longue, s'il le faut, mais on s'en fout parce que nous sommes en grève jusqu'à la retraite. Exactement, et on est prêt à aller manifester tous les week-ends sur le stream pour jusqu'au retrait. Alors je sais pas si. Pourtant Marouane n'est pas encore arrivé, donc Je on crois va. que Oh, si. si, je Si, suis là. il est Allez là, là, il vient alors. d'arriver. Ah!
Parfait. Je vous laissais faire vos plans de syndicalisation de l'Europe, là, tranquillement. Parfait, bah, merci beaucoup. T'es prêt pour ton live ? Bah écoute, ma foi, oui, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Je pense que, ouais, pour moi, je suis prêt. Donc, bah écoutez, je vous laisse faire le dernier point, c'est bon, oui. Tout est fait. Juste le temps de dire au revoir, du coup, merci à tous et à toutes. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous avons suivi, merci pour les nombreux dons. Hein. On a quand même encore bien avancé dans les Gaules. On a eu plein d'occasions d'apprendre des faits intéressants sur l'histoire, sur le Moyen-Âge. Donc, merci à vous. On voit pour revenir, hein, sûrement, pour. Enfin, renverser cette dynastie Macron. Vous êtes obligé maintenant. Vous êtes engagé. Ah oui, voilà. Ah bah là, on est obligé. Et libérer la Bretagne indépendante, évidemment. Voilà. Voilà. Un grand merci à tous et à toutes. Je vais faire le décompte final, puis passer. Donc, c'est du Undertale que tu vas faire ? C'est du Undertale, ouais. Du Undertale de gauche, du coup, parce qu'on a déjà du Undertale de droite en route génocide. Donc là, je vais essayer de faire une voix un peu plus gentillette, en fait. Parfait. Et ben, alors, si tu es prêt pour le décompte, 3. 2, 1...